Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir Mimiche, à qui je voulais faire la surprise, mais j'ai raté mon effet, il m'a grillé avant la fin de l'intro. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Et donc salut à tous ceux qui sont déjà là avec nous, salut Mickaël, salut Chirivari, salut Emrinves, salut Wartend, salut Lynn, salut Mickaël, j'ai déjà dit évidemment, salut ML Seitama, merci beaucoup pour le compliment, et bienvenue donc à toutes et à tous, c'est très sympa d'être déjà là pour ce stream sur le projet AstroTerre. Juste, je fais une petite parenthèse, parce qu'il y aura peut-être un de ces moments, le message sur le chat. Greby a fait un petit retweet et il m'a envoyé un petit message par rapport à Humankind, le jeu que j'ai testé hier et qui est très très sympa. Et en fait, la boîte qui fait Humankind, donc un studio français, a lancé aujourd'hui un programme de partenariat avec qui veut, à condition d'avoir une chaîne Twitch avec un minimum de followers, j'imagine. Je ne sais pas le niveau requis, mais en tout cas, il suffit de cliquer sur le lien. Et puis il vous dit si vous êtes pris ou pas. Et moi j'ai été pris. Donc en fait, j'ai gagné une version deluxe du jeu. Et c'est déjà sympa. J'ai téléchargé un dossier de presse avec tout ce que j'ai cherché de manière totalement non officielle. Enfin, comment dire. Quand j'ai fait mon setup, j'ai cherché mes petits logos comme je fais d'habitude, j'ai cherché mes petits trucs et tout, alors que là tout est dans le dossier de presse et puis tout est fourni. Et j'ai pensé très très fortement, je vais le montrer d'ailleurs, parce que attends, je vais le montrer, où est-ce que je vais avoir ça, parce qu'en fait j'ai pensé fortement à Raph, parce qu'en vrai ils te fournissent un dossier de presse et en fait dedans t'as les caractéristiques du logo, les couleurs, la taille, la dimension exacte. C'est super intéressant, rien qu'à voir en fait. Donc je fais une petite parenthèse, je vais vous montrer. Et ça m'a fait fortement penser au fait qu'il fallait qu'on fasse ça un de ces jours, hein, pour AstroTerre, tu vois, en termes d'interface. Ouais, bah oui. Donc je vous montre ça, regardez. Hop. Marketing Style Guide. Donc... voilà, t'as le logo avec les couleurs primaires, les couleurs secondaires, t'as la taille, le logo secondaire, la petite main, le logo du studio, de Sega, la police d'écriture, les headers, les machins, les trucs. T'as toutes les couleurs avec les références exactes pour tout en fait. Alors ça par exemple, ça j'en avais besoin pour faire mon planning. Donc je vais l'utiliser parce que je l'avais pas trouvé. Ah bah ouais. T'as les logos, enfin les taglines. T'as les trucs pour faire les interfaces. Bon, je vais pas tout refaire, hein. Mais c'est ce que j'ai fait en fait de manière complètement sommaire pour faire mon setup hier quoi. Sauf que là tout est là quoi en fait. T'as les backgrounds. T'as tout. Voilà. J'ai trouvé ça super intéressant, rien qu'à voir en fait. Et coucou Ryan. Et ben voilà, une charte graphique, exactement. Et j'ai trouvé ça très très cool à voir. J'ai pensé à toi du coup. Je me marre, parce qu'en fait, c'est Charivari qui dit « Oh, Oran a réussi à invoquer la famille », sauf qu'en fait, c'est moi. Ah, tu l'as appelé. En fait, je suis connecté sur Minecraft, parce que je suis AFK en fait, dans ma zone pour faire un peu tourner mes usines. Ouais.
Et Raph était connecté au... Donc c'est pour... c'était très simple pour moi. Tu mets un message dans le chat du genre en disant « Eh, c'est à cause de toi sur le live !» Et ben voilà, donc j'ai trouvé ça super intéressant, rien qu'à voir. Et du C'est vrai que ça... En fait, tu pourrais refaire complètement ton overlay Discord avec vraiment en respectant à 100% Ah oui, la charte, mais je vais pas le faire, je vais pas me faire suivre. Mais voilà, et du coup j'ai un petit lien, donc c'est de la vente, hein, pour acheter le jeu. Et en fait, vous pouvez acheter le jeu avec ce lien, et moi je gagne 5%. Sur le prix d'achat. C'est pas mal. Ah ouais. Mais je serais payé que si j'atteins 100$. Autant dire que je serais jamais payé. Parce que vous imaginez bien que le jeu il coûte 50€. Donc 5% de 50€, ouais. Voilà, tu vois, c'est voilà. Non, 500 50, non? Bah non, 500. 500. Tu me désespères. Enfin bon, bref, donc je vous mets quand même le lien. Écoutez, et puis de toute façon, j'ai programmé le bot pour qu'ils le mettent de temps en temps. C'est valable 3 ans, c'est valable jusqu'en 2023. Non, 2 ans, jusqu'en 2023. Donc bon, voilà, on sait jamais. Si jamais l'envie de jouer au jeu vous prend. De toute façon, moi j'y rejouerai. J'avais décidé hier soir que j'y rejouerai. Avant même de savoir qu'il y avait ça, donc je m'en fiche. Non, ce qui est cool, c'est qu'ils offrent la version Deluxe. Et du coup, il y aura les DLC. Enfin, j'aurai quelques DLC avec. Donc ça, c'est cool, parce qu'avec le Game Pass, je les avais pas les DLC. Ouais, bah oui, donc rien que pour ça, c'est sympa quoi. Faut vendre 40 jeux, tu vois, Emrine Vess. Ouais, 40 jeux, pardon. Ça me semble beaucoup, 500 quand même. Mais bon, 40 jeux, sachant qu'on était, allez, au mieux une vingtaine de viewers hier soir. Voilà. Mais je m'en fiche. Mais je trouve ça sympa. Et puis, bon, moi, je vais jouer au jeu avant d'avoir la clé qu'ils offrent, donc voilà, c'est pas. Mais bon, c'est cool. Et alors, mieux que ça, pour moi, ils offrent avec l'OST, les musiques du jeu. Donc ça c'est cool. Bon après tu peux les avoir sur YouTube ou sur Deezer, donc ça change pas grand chose. Mais bon, j'ai les MP3, donc voilà, je pourrais les écouter quand je veux sur mon PC, même sur connexion internet. Non et puis ouais, voilà. T'as vraiment le pack complet. En fait t'as le pack média quoi. Et voilà, ouais, exactement. Ça. Et donc pendant 10 minutes, le temps de tout regarder, t'as l'impression d'être un streamer pro. C'est voilà qui fait nos PSP même pas. Mais bon voilà. Non mais c'est cool. C'est bah, très cool de leur part, en fait. C'est nos PSP, enfin, c'est... Mais c'est gentil de leur part. Et pour moi qui a découvert le jeu hier et qui l'appréciait déjà hier soir, juste après y avoir joué un peu, je me dis que c'est très gentil. Et que ça me va. Je prends. Oh, le vendu, exactement. Je suis vendu, ça y est. C'est pour ça d'ailleurs ce soir que je stream du Humankind. Ouais. Non, pas du tout. Bon, je vous en parle quand même, donc ça leur fait de la pub, c'est clair. Là, je leur fais une bonne pub. Mais bon, en même temps, c'est un studio français. Le jeu, dans ses premières heures, est très bon. J'ai passé un excellent moment, donc voilà. Je leur ai déjà fait de la pub hier soir. Donc, c'est voilà. Ça. Beau jeu français. Enfin, beau et bon jeu français. Voilà. Voilà. Faudra voir sur le long terme. A priori, il y a quand même des bugs et puis il y a quand même aussi des problèmes d'équilibrage. Mais bon, c'est un peu normal sur tout jeu de stratégie qui sort comme ça. Il y aura des patchs. Bon, alors. Ce soir, revenons-en. Et coucou Loulou. Revenons-en quand même à nos moutons. Hop, je rebascule. Donc, nous avions commencé à faire une série d'optimisations la dernière fois. Et ça marchait plutôt bien. Je vous remontre un prototype du jeu actuel. Donc maintenant, quand on passe en mode combat et que c'est au tour des créatures, même si leur tour ne passe pas automatiquement, mais ça c'est moi qui l'ai bloqué pour avoir le temps de blablater et de réfléchir, le curseur reste bloqué sur le sablier d'attente. Quand c'est à moi de jouer, le curseur maintenant est une flèche normale, mais il est une loupe quand je passe sur un ennemi. Est-ce qu'il faudrait pas mettre la loupe quand on passe sur le joueur aussi ? Me pose la question. Bah ouais, je suis en train de me dire que ça monte. La loupe, non, c'est vrai que les pas, on les a mis pour le déplacement, mais est-ce que je suis en train de me dire que les pas, on pourrait presque les mettre dès qu'on passe sur le joueur, tu vois ? Bah, je sais pas, parce qu'en fait, on n'a pas trop réfléchi. Je te propose une idée, puis après on en repart. Mm-hmm. On pourrait imaginer, là on a qu'un joueur actuellement. Oui.
Mais si on a plusieurs joueurs et que ils ont des points d'action où on peut imaginer qu'à un moment, t'as un tour, hein, un personnage ne peut pas se déplacer, tu vois. Mmh. Donc est-ce qu'on pourrait pas mettre les pas, toi, si on peut se déplacer? Et puis, imaginons que sur un tour, t'es un personnage qui soit frisé pour X raisons, eh ben, tu mets aussi une interdit parce qu'il n'a pas le droit de bouger, quoi. Ouais, après, je me pose une question plus large que le combat par rapport aux interactions, par exemple avec les coffres et avec les PNJ. Mmh. Est-ce que la loupe, ça pourrait pas tout simplement être notre icône signifiant qu'il y a une interaction, quelle qu'elle soit, en ah, fait. Ah oui, ouais. Et à ce moment-là, quand on passerait sur un coffre qu'on peut ouvrir, un PNJ à qui on peut parler, une porte qu'on peut franchir, ou ouais, c'est, ça serait toujours la loupe, en fait, pour signifier ouais, qu'il y a quelque chose, qu'il y a une interaction. Voir, voilà. Ouais, t'as un truc à voir, quoi. Parce qu'après, les pas, ils apparaissent dès qu'on sélectionne. Donc... Ouais, bah oui. Oui, non, mais après, c'était une, tu vois, c'était une proposition. Je sais pas. Donc il y a peut-être ça encore qu'on peut un poil changer. Autre chose maintenant qui ne pose plus de problème, quand je me déplace, quand j'ai fini mon déplacement, mon curseur a instantanément les pas, l'icône des pas, alors qu'avant il avait l'icône normale. Ça ne posait pas trop de problèmes pour les déplacements, ça posait juste des problèmes quand on attaquait une créature. Ouais, mais là j'ai plus de points d'action... c'est action point. Action points. Hook. Voilà. Donc, quand on attaquait et qu'on se mettait comme ça, tout calé à gauche, voilà, eh bien, on était dans la case du zombie, on pouvait l'attaquer, mais l'icône n'était pas la bonne. Donc là, maintenant, l'icône est la bonne, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je me rappelle plus. On a fait un autre truc la dernière fois. Oui, ça cheat déjà. Et salut, Captain Le Best. Bienvenue à toi. Ah mince. Ah, c'est dommage ça pour le pass. Bah ouais, après, c'est ce que j'ai répondu en fait par écrit, mais je pouvais encore dire en oral. Oui, il y a le pass sanitaire. Où il faut avoir les deux vaccins, mais le pass sanitaire, pensez bien pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés, qu'un test PCR ou un test antigénique, ça passe en pass sanitaire. Ouais, et tu peux le faire en pharmacie, je crois. Ouais, c'est ça. Et pour l'instant, c'est encore gratuit. C'est ça, et les tests, test PCR et test antigénique sont valables 72 heures de mémoire. De quoi faire la fête. C'est ça. Alors, moi, je le sais parce que. On est en festival dans un mois. Ah oui, donc même t'es à pas cheval un mois, sur les... donc on est bien au courant de ce qui se passe, quoi. Tout à fait. Non, logiquement, les tests antigéniques, ça passe. Oh, paraît bizarre, ça. Ah, je sais pas, Marinves. Je sais pas. D'accord. Ah si, oui, je sais ce qu'on a modifié, mais c'est en sous-main, ça ne se voit pas. On a changé la façon dont fonctionne le changement de game mode. Puis on a amélioré les scripts la dernière fois, mais ça se voit pas. Du coup, ce soir, on va continuer l'optimisation. On a du gros travail, mais avant ça, on a peut-être du petit travail qui est le débogueur. Est-ce qu'on s'en occuperait pas? Oui, on peut. On peut, hein. Mais de toute façon, le gros travail, moi j'ai une solution, Oran. C'est un sac de nœuds. Un coup d'épée, et puis c'est bon, terminé. T'aimes bien mon titre, hein. Il est pas mal. Rappelez-vous l'histoire du nœud gordien, c'est ça, hein. Le node gordien. Node, pardon. je trouve l'abonné, si mes souvenirs sont exacts. Moi, je ne sais pas. Je connais l'expression, mais je ne sais plus. Donc en fait, j'ai des bugs qui sont pas gênants. Enfin, des bugs, des avertissements. Et voilà, par exemple... J'ai une fonction connect. Qui retourne une value. Mais cette valeur n'est jamais utilisée. Je ne sais pas. Un texture button. Donc c'est un bouton.
Mais je vois pas qu'elle... Il retourne rien pourtant. Je comprends pas bien. Alors attends, je vais me lancer le jeu et puis... Ah oui, si, c'est ça que je voulais faire avant. J'avais envie de faire un petit push. Parce un que petit là, push, comme on va modifier... Ouais. Comme ce soir, on risque de modifier les mouvements et l'attaque des créatures. Si on fait un truc qui casse tout, je pense que ce serait bien d'avoir fait un petit commit. Du coup... Toc, j'ajoute tout. Il y en a de la modif. Hein. Maintenant, oh oui. on est quelle semaine déjà? Alors, 33 806 pour ceux qui ont un ref. Donc 21W33A. Et ça, c'est une grosse mise à jour. Hein. C'est ouais. Ce que j'avais fait l'attaque du joueur, mais j'avais fait les créatures aussi. Donc, bon, je vais mettre attaque du joueur parce que voilà, c'est le gros truc. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Plus opti. Il y a des optimisations. Je commit. Et je push. Normalement, c'est bon. Yep. Donc là, c'est la même erreur. Ici. Cette fonction change and retourne une valeur, mais elle n'est jamais utilisée. C'est peut-être le référent de space. Export var. Menu bouton. Alors, attends. Donc là, on est dans lui. Mais on doit être dans le lui pose. Voilà, on est dans les boutons de save, d'option, de load, de back to game, de quit. Mais effectivement, c'est normal parce que pour l'instant, ces boutons ne sont pas fonctionnels. C'est peut-être pour ça. Ah ouais, bah peut-être, ouais. Tu sais, les boutons, ils sont reliés à rien pour l'instant, parce qu'on n'a pas fait... Bah, Donc bon, ceux-là, voilà. Et ça, là. Alors, le signal player attack est déclaré, mais jamais émis. Alors ça, on peut l'ignorer, parce qu'il est émis, mais par le nœud attack, tu sais. Ouais, bah oui. Alors, comment on peut faire pour lui dire d'ignorer ça? D'ignorer cette attaque. Cette attaque, cet avertissement. Je crois que tu cliques sur avertissement et tu fais ignore, un truc comme ça de mémoire. Et bah non. Ah. Je peux juste copier. Ah, attends, je télécharge parce que je fais pas trop de trucs en même temps, donc j'ai encore pas chopé le projet. Non, je peux pas faire ça. Alors ça, l'argument delta n'est jamais utilisé, si c'est normal, on peut faire un underscore devant. Et bah on va le faire parce que je pense que c'est normal. Ou alors j'enlève delta. Après... Physique process si j'enlève le delta. Bah non. Laisse-le, je laisse que delta, en underscore. En fait... Ouais, le delta, okay. Tu sais bien, ça ce qui permet en fait d'avoir une physique process qui est liée à ton processeur. Enfin, en gros, il s'adapte à chaque PC et pas t'as pas un truc unique pour tous les PC de mémoire. Alors... C'est quelque chose comme ça. Bonsoir, Monsieur Mopi. Salut, Mr. Mopi. La variable locale GameBird est shadowing, elle fait de l'ombre dans une variable déjà définie à la ligne 3. Alors, je suis où là? Je suis dans mon global script. Ah oui, je comprends. Ah, c'est qu'elles ont le même nom, en fait. Il faudrait que je change le nom.
Donc, je pourrais faire game mode change. Game mode change. Et là, ça devrait être bon. Je vais relancer pour voir. Là, on avait 48 erreurs. Normalement, on devrait en avoir un peu moins. 46. Ah, voilà. Un peu moins. Et je voulais voir si le changement de mode fonctionnait. A priori, ça va fonctionner. Alors, attendez, je vais... Ah, j'ai tué le zombie, mais... Bon. On va faire un combat à la loyale. Allez. Mmh. Voilà. Ah. Ah. Ça a bugué. Ah non. Ah non, c'est, ça a pas bugué. C'est juste que le curseur n'est pas le bon. C'est peut-être parce que je suis allé trop vite. Mais ça n'a pas bugué. Bon. Bon, ça. Ça fera partie des bugs qu'on corrigera peut-être. Donc ça, c'est bon. Déjà. On a corrigé deux erreurs. Eh. Hey. Alors, le signal player, ça on l'a déjà vu. La fonction connect retourne une valeur, mais cette valeur n'est jamais utilisée. Hmm. Ça, je comprends pas ces erreurs-là. Là, on est sur audio stream. Il est où ce stream Là, je pense qu'il est sur le player ce... ou sur la créature player peut-être. Dans les audio stream ici, audio stream player, non, il n'y a pas de script. Mmh, alors il est peut-être sur les vieilles créatures peut-être. Dans les vieilles créatures. Under control. Audio earth. Comment on voit où sont, quel, qui, quoi utilise le script Bonne question. Ah, faut que tu repasses en vue normale peut-être maintenant. Je suis en vue normale. Ouais. Tu cherches quoi comme script? Bah là j'ai le script player. Ah bah attends. Ah attends, bah, c'est écrit dessus. C'est player earth sound. D'accord. Donc j'ai la réponse à ma question. Oui, voilà. Ah ouais, non, puis en fait, c'est les premiers déplacements. Ça, c'était le premier script, ouais, ça, ouais. Lié au déplacement libre, en fait. Ouais. Je pense que c'est plus ça, donc c'est pas tout jeune, quoi. Ouais, et encore. Bah, c'est. Artbox. Non, c'est même. Je ne sais pas. C'est juste un audio stream player. Qu'est-ce qui utilise ce truc? Là il y a un audio stream player mais il n'y a pas de script dessus. Bizarre. Ouais. En fait moi j'ai même pas un audio stream player, tu vois, dans mes... C'est player earth sound le nom du script. Donc c'est lié au player. Mais je ne sais pas quel nœud l'utilise. Bah, c'est ton nœud player, enfin t'as un dossier player. En fait, non, t'as directement un script dans ton dossier player. Oui, mais... Il est lié à un nœud, non? Pas l'impression. Alors, si je cherche le nom du script, ça va te donner quoi? Play... Heart... Sound... chercher. C'est une constante. Si. Dans le script player, en fait, il est préchargé. Alors, t'as une scène player heart sound, en fait, qui existe. Et en fait, c'est ce screen qui est lié à cette scène. Mm-hmm. Cette scène, elle est préchargée par le player. Ok. Donc... Par le script player.gd, en effet. Et donc, dans, ce, dans cette scène, il y a juste... un son en fait. Comment on l'écoute?
Non, c'est pas ce son là, c'est ni le ghast ni le creeper. Lui. Comment on l'écoute? Une question, j'essaye de voir, c'est d'un autre prêt. C'est lequel? Montré dans le système de fichiers. C'est Player Hurt. Je pense que c'est quand le joueur prend un coup. Bah oui, oui, oui. Sachant que j'utilise pas ce script, mais bon. Ouais. J'utilise si dans la version exploration, mais plus dans. Ouais, la... c'est ça. Mais alors, est-ce que on pourrait pas le virer, c'est ça ta question. Ouais. Parce que je me dis de toute façon cette partie exploration, alors peut-être pas tout, mais tu vois, mais un truc comme ça, on va revenir dessus un moment. Ouais, mais justement là, j'ai pas forcément envie d'y revenir maintenant. Faudrait peut-être faire ça. Non, mais justement, on peut se permettre de supprimer ces scènes qui nous embêtent. En fait, ça va. Être, ça, je ne sais pas à quel point c'est imbriqué dans le script player. J'ai pas trop envie pour l'instant de. Alors, c'est là. Ah, c'est marrant en fait, au oh, purée. Ouais, c'est pas tellement. Complexité. Ouais, non, mais. En fait, c'est comment c'est utilisé que c'est étonnant en fait. C'est quand. Quand tu rentres. En fait, dans. Quand t'as une collision entre. Enfin, quand tu prends des dégâts en fait, ouais. Tu crées une instance de la scène en fait. Ouais. Et ça, c'est pour éviter les problèmes. Je crois, hein, en cas de mort du joueur. C'est-à-dire qu'en fait, si tu meurs ou si tu déclenches un truc alors que le son est en train de jouer, ça va s'arrêter net si tu supprimes le joueur ou un truc comme ça. Donc en fait, tu crées une autre instance, je crois que c'est ça, pour que le son il persiste, je sais pas. Donc toi, tu serais d'avis de supprimer ça alors? Bah, ben, tu vois, 1, 2, 3... Il y a 4 lignes. Ouais, non, mais ouais, c'est ça en fait. Moi je regarde parce que j'avais 5 matchs ouais, avec Earthsound. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, en fait, t'as une constante. Donc ligne 5 à ta constante. Mm. Donc on est d'accord qu'on est sur Clear.gd. Hein. Ligne 5 à ta constante qui te charge ta scène. Ouais. Et ligne 268 et 269, tu crées ta scène. Enfin, tu crées une variable, voilà, et tu lances ta scène, tu vois. Donc, pour moi, si tu supprimes ça, enfin, au pire, on peut... Attends, bouge pas. Non, je me doute qu'en commentant, c'est bon, mais... En fait, tu vois, ça, en fait, je pourrais presque... Je pourrais presque le... l'invoquer entre guillemets directement dans le script actuel hein, et on entendrait le son quand le joueur se prend un coup. Ah ouais, enfin, je pourrais presque faire ça hein. On pourrait faire ça, donc bon, mais après est-ce que je vais vraiment, donc c'est pour ça que ça m'embête de le supprimer. Mais je sais pas si on fonctionnera vraiment comme ça. Quel était Player Hudson? Je sais pas quel était l'intérêt quand même à long terme de procéder comme ça. Ah, je pourrais pas te dire. Parce que tu vois, pour le joueur, si je regarde là, j'avais créé d'autres sons là. Je sais plus ce que c'était ce son là. C'est quoi celui-là? C'est le weak attack. Ça, alors, c'est quand bien, j'attaque. Ok, alors pour info, si tu commentes, ça ne bug pas. Je suis en train de me faire tuer par un zombie qui peut me tuer quand t'es en mode déplacement libre. Je viens de me faire tuer d'ailleurs. Et j'ai pas de son, j'ai commenté une ligne et j'ai eu aucune erreur. Donc, ok, bon bah écoute. Et ça m'a enlevé une erreur, moi, par rapport à ce que toi t'avais tout à l'heure. Bon bah écoute. Donc je supprime les lignes. Get tree. La ligne 268-269. C'est ça? Bah, commenterai au pire, juste commenter, tu vois. Bah, si tu viens de faire le test. Ouais. Ouais, supprime. Parce que, du coup, l'idée, ce serait de supprimer la scène aussi.
Ah bah oui, carrément, ouais. Ouais, ouais, je prime tout, comme ça, on repartirait sur un truc propre. Donc j'arrête de préload cette scène. Par contre, je garde le fichier ressources, hein, mais oui, bien sûr. Dans player, du coup, je supprime le earthsound.gd. Donc je vais supprimer d'abord la scène. Parce que... Ah, il me dit que c'est utilisé par le player. Comment ça? Attends, c'est peut-être parce que j'ai pas enregistré, ouais. C'est pour ça. Voilà, c'est bon. C'est bon, je relance pour voir si le jeu fonctionne. J'ai plus que 45 erreurs. Ouais, donc tu vois. Je vais voir le zombie comme toi, là, histoire de dire. Hop. Merci. Voilà, il m'inflige des dégâts. Et t'as pas, toi, y'a pas d'erreur. Y'a pas de son. T'as pas de son et t'as pas d'erreur. Mais j'ai pas d'erreur. Hop. Très bien. Hop. Alors ensuite. Toujours ce problème du la fonction connect. Je vois pas où est le problème de ces fonctions. Parce que là c'est des fonctions connect. Donc c'est des fonctions liées aux signaux qu'on a le plus du coup. Alors, ici, ah, on a la même erreur que tout à l'heure. La variable locale damage is shadowing an already defined variable at link 29. Ok, je comprends. Donc c'est qu'en fait j'ai une variable définie qui s'appelle damage. Et là, defense damage ouais, qui a le même nom. Donc ouais. Je vais faire damage done. Ce qui va enlever cette erreur en fait. Comme ça, c'est un nom différent. Ouais. Ça change rien à la fonction. Hmm. On est dans un script créature. Ok. Ensuite, oui, connect, connect, max distance. Alors. Ça, c'est que oui, j'utilise jamais max distance. Mais je crois que c'est normal. Je vais le. Hop. Je mets un petit underscore devant. Ça, je crois qu'on s'était dit, on va le garder au cas où. Tu sais, un petit peu comme on a finalement utilisé l'action range là, pour les créatures, là, alors qu'au début, on s'en servait plus. Alors, la fonction erase retourne une valeur, mais cette valeur n'est jamais utilisée. On utilise juste en dessous. Ah non, attends. Nous, ce qu'on utilise, c'est unitSeng. Alors, je pense qu'elle nous retourne une activeUnit.seng. Et nous, ce qu'on utilise, c'est ActiveUnit tout court. Donc c'est peut-être pour ça qu'il dit ça. Oui, mais... En fait, on a besoin... Ça, c'est la clé. Tu te rappelles, c'est une histoire de clé. Ouais. C'est la case de la créature qui définit la clé qu'on veut effacer. Donc on a besoin... Là, il n'y a pas d'erreur dans le script. C'est juste, on a le même truc. Ça retourne une valeur, mais on n'utilise jamais la valeur. Ouais, en fait, non, c'est que c'est la fonction, elle va retourner, en fait, en gros, quand on fait point .erase, je pense qu'il retourne un trou ou un truc ouais. Comme ça, qu'on n'utilise jamais, en fait. Ouais, pour nous dire, genre, on a pu le ouais, l'effacer, ça, voilà. Quoi. Mmh. En fait, il retourne un trou pour nous dire que, voilà, il a réussi à l'effacer ou pas, et on récupère jamais cette information, en fait. Yep, c'est ça, en fait, c'est exactement ça. Retourne trou, signe dictionnaire, hein, la clé demandée. Et comment on fait pour lui dire d'ignorer cet avertissement? On s'en fout. Là, on n'a pas besoin de savoir si on a réussi à le faire ou pas. Parce qu'on va avoir le même problème plein de fois, en fait, à chaque fois qu'on a mis un erase. Faut que je retrouve où c'était, parce que j'ai pas... Pareil, connect c'est pareil. Donc en fait ça se trouve connect ça nous renvoie vrai pareil à chaque fois qu'il a réussi à se connecter, mais on l'utilise jamais. Hop. J'en profite pour faire toutes les petites erreurs.
tu sais de Ah d'ailleurs, eh ben en fait, tu as un sous en bas à droite, alors sous le code principal. Ouais. En bas à droite, tu as un triangle jaune. Ouais. Et ben en fait, quand tu cliques dessus, il t'ouvre la... Je viens de le découvrir, hein, à l'instant Et je même. Peux ignorer. Voilà. Mais il me semblait qu'on pouvait ignorer quelque part. D'accord. Ok. Donc du coup, je vais le faire partout, ça, on est d'accord. Bah enfin, tous ceux qu'on sait qu'on peut ignorer, quoi. Bah écoute, c'est tous, quoi. Ouais, quasiment. Alors ça, par exemple, le signal est émis, mais jamais déclaré émis. Ouais, ça, enfin, peut, ça, on sait pourquoi ça fait ça. Ouais, voilà. Par contre, tu vois, les erreurs qu'on avait tout à l'heure sur des histoires de valeurs, enfin de variables qui avaient le même nom... Oui, c'était des vrais avertissements importants. Toi, intéressants. C'est intéressant de les avoir, quoi. Ah, génial. On va plus avoir de bugs dans le débugger. Enfin, de ouais, bugs, d'avertissements. Enfin, ouais, c'est ça. Mais en fait, ça nous permet de supprimer, enfin, en tout cas, de cacher D'ignorer. Ce qu'on a actuellement, voilà. Comme ça, le prochain qu'on a, ben on sait que c'est des trucs à la limite, il faudrait qu'on regarde tout de suite et se dire ah ok, il y a ça, ok ça on s'en fiche parce que on sait que c'est normal d'avoir une erreur. Ça c'est une erreur qui est intéressante de corriger tout de suite parce ouais. que. Je relance le jeu comme ça, je fais déjà le nettoyage. J'ai plus que 21 erreurs. Ouais. Ok. Alors. Par contre, quand j'ai des erreurs. Ah, il y a des erreurs, c'est autre chose. Ouais. Alors, ça. On ignore ça. On ignore ça. On ignore. Ça, c'est toujours la même chose. Tac, tac. Alors, fonction connect. Hein, c'est à chaque fois qu'il y a tous les signaux, en fait. À chaque fois qu'on arrive à connecter... Je pense que ça nous renvoie un truc pour... Du coup, ça, c'est bien. Ça voudrait dire que si on n'arrive pas à connecter, on pourrait faire quelque chose dans le script, tu vois. Prévoir le cas où on n'arrive pas à se connecter. Un signal donné. Yep. Alors là, c'est autre chose, ça. Donc là, la fonction... Alors... T'es où ? Ah non, bah tiens. Ça, on a une texture array qui shadow quelque chose. Toujours le même problème, en fait. Ah bah, j'étais dessus. Alors attends, par contre... T'es en ligne 18... Ouais, c'est ça, 78 et 18, ouais. Non ? Ouais, c'est ça. Texture array... Eh bah, texture array... Je vais mettre local. Hop. Ouais. Et du coup, ça, je le fous partout. Voilà, normalement c'est bon. Voilà, ah oui, d'accord, l'avertissement je est tombé. Dire, ouais, c'est ça, je suis en train de me dire où est-ce qu'on est, ça y est, je retrouve. Non, ça va, je me retrouve, tu vois, même si c'est pas moi qui fais le script et que je maîtrise un peu moins, c'est pas trop mal fait parce que j'arrive rapidement à me retrouver, à savoir où est, donc, enfin, ce script-là, à quoi il correspond dans le jeu, quoi. Alors ça, c'est au niveau de la console. Ouais. Je vais faire pareil que d'habitude, je vais faire un petit underscore si c'est comme c'est prévu. Alors, unreachable. Alors là, il y a du texte qui est inatteignable. Ouais, parce qu'en fait, tu dois... Ah, attends, c'est un print à la noix qu'on doit avoir quelque part, non ? Ouais, in function print, mais où ? Je le vois pas. Ouais. C'est pas dingo niveau bonne pratique ouais, de mute les warnings. On s'en doute. Ouais, mais alors dis-nous comment on corrige les warnings, en fait, si tu sais. Putain, voilà. Parce qu'on ne sait pas. Alors, ouais, je sais que c'est pas bien, mais... Là, il y en a certains qu'on en tient compte. C'est juste les connects là, qui retournent des valeurs qu'on ne sait pas quoi faire. C'est, il faudrait dire... Déjà, si t'as la solution là-dessus... Je return tout le temps, donc mon return ning 56 sert à rien. Ah bah oui, tu me dois 54 et 56, en fait, tu me dois deux fois. D'accord, donc c'est juste ça, alors. Ok, c'était... En fait, ça me choquait, j'explique ma logique, hein. Ça me choquait de pas avoir de return au premier niveau d'indentation. En fait, tu retournes même trois fois la même chose. Oui, mais à différents moments. À différents moments. C'est...
C'est voulu. Ah, mais en fait, ton 56, tu retournes systématiquement, en fait. Oui. C'est pareil à la ligne... 42. 42 ? Hein ? Ah oui, 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 tout à fait. C'est pas choquant parce que tu as un défaut dans ton match. Oui, oui, tout à fait, mais... Oui, là aussi, c'est pareil. D'ailleurs, c'est pour ça. Okay. Le fait d'avoir mis le truc par défaut fait que t'as plus besoin d'avoir le retour dans 56. Voilà, exactement. Ouais, parce que systématiquement, il y a forcément ce return qui va s'exécuter. Ok, donc là, c'est fait. Donc là, c'est fait aussi. Ça. Donc, tu sais comment corriger ces problèmes de connexion? Parce que ça, c'est les signaux, on les connecte. Et en fait, quand la collection s'effectue, ça nous renvoie vrai, on imagine. Et quand ça se fait pas, ça renvoie faux, mais on n'utilise jamais cette donnée. Comment on fait pour lui dire on s'en fout de cette donnée? Ou alors lui dire... C'est pour ça que ignorer, moi, ça me va. Hein. D'ailleurs, on peut déconnecter les signaux pour info. Disconnect? Ouais. Ah, intéressant. Pas quoi ça pourrait bien ça. Soit tu le stockes dans une variable genre R, soit tu utilises un acer. Ah, ouais. Et encore. Mais à quoi ça... Ah ouais, c'est pour le réutiliser potentiellement plus tard, mais t'imagines tous les signaux, on va créer beaucoup de variables R. Soit tu utilises un acer. Ah ça, je sais pas ce que c'est un acer. Je cherche en même temps pour te dire. Acer, c'est tu fais crash le jeu si ça s'est pas bien passé. Ouais, ah, d'accord, oui, d'accord, ok. Je serais d'avis qu'on ignore pour l'instant. Hein. Ouais, hein. Mmh. Et regarde là, je crois que malheureusement, je crois que maintenant. Tadam! On n'a plus aucune erreur. Oh! Eh, on a un jeu propre. Propre? Je sais pas, c'est vrai. Mais. Ça donne l'illusion. Tu fais crash proprement. Ouais, d'accord. Et crash, s'il te plaît. Mais proprement. Dans une poubelle. Je fais juste une parenthèse 30 secondes, Oran. Oui. T'es invité sur FTP ou j'ai raté l'info hier soir? Oui, t'as raté l'info hier soir, je l'ai d'accord, dit hier okay. soir. Ouais, c'est que j'écoutais pas le live complètement. En fait, oui, première ouverture du FTP samedi prochain. Ouais, c'est ça. Non, c'est que, il va y avoir du bouleversement dans le planning habituel. Ouais. Parce que tu es en train de construire le spawn avec Zanzac, c'est pour ça. Yes. Donc oui, je vais faire un peu de modé. Oh. Ça fait longtemps. Je vais avoir besoin de toi. Sur Ragnar Mode 6 en plus. Yes. Bon, bah, faire, je vais mettre sérieusement Ragnar Mode 6, quoi. J'ai déjà des petites idées des modes que je vais explorer. Je l'ai téléchargé, mais j'ai pas accroché plus que ça. Donc. Il y a des trucs qui ont l'air trop bien là dans ce que j'ai vu que Tutu et Alps faisaient rien que pour le spawn. Il y a des modes, ça a l'air magnifique. Après, on verra bien. Après, les FTP, c'est des serveurs qui durent quelques semaines, quelques mois max. Ouais. Puis après, voilà. Donc, je me dis que c'est l'occasion de refaire un peu de modé. Ouais, et puis, en attendant... Enfin, il y a certains qui vont faire ça en attendant Holy Cube saison 6. Ouais. Après, moi, c'est pas trop mon cas parce que j'ai encore plein de projets sur Holy Cube saison 5. Mais bon. Oui, en survie, je sais que c'est pas pareil, Lina. J'ai déjà fait un petit peu de modé, hein, on avait fait. Bah, d'ailleurs, Mimich, c'est comme ça qu'on a commencé à jouer ensemble. Hein, c'est parce que c'est tu m'as bien aidé à découvrir le modé en solo. Puis après, on avait joué au truc. C'est ça. En fait, j'ai commencé à t'aider en tant que viewer via le chat Twitch. Je t'ai ensuite dit, est-ce qu'il y aurait moyen de passer en vocal? Parce que c'était plus simple pour ça. Et puis, voilà. Et puis bah, c'est comme ça qu'on s'est connus, et puis la modération, je l'ai récupérée parce que Akalis m'a appelé au secours. J'ai souvenir de ça. Un raid Discord à l'époque. Bon, bah du coup on est bien, ça y est, on a un débogueur qui est vide. Donc on va pouvoir attaquer les choses sérieuses de ce soir. Ouais. et là, ça va pas être de la tarte. Alors, je vais virer
Ce qui me sert à rien. Ne pas enregistrer parce que ça on l'a supprimé. Bon, moi j'ai toujours 47 erreurs parce que j'ai pas touché, mais. Ouais. Je refais pas de push. Hein. Mais. Non. Alors je vais quitter Godot et le relancer parce qu'il me rouvre sans cesse un truc qui a été supprimé. Ah. Alors, ne pas enregistrer. Enregistrer fermé. De toute façon, on s'en fout des modifications dans Player Earth Sound, on l'a supprimé. Donc je relance. C'est ça, chérie Marie. Je suis entièrement d'accord. Et donc normalement, non, il n'y a plus de player. Je relance le jeu pour voir si c'est pas buggé. Je vais retourner vite fait. Ah, vous voyez pas parce que je suis sur la bonne scène, mais voilà. Pour voir mon mec là. Le survivor. Ça marche. Ouais. Merci. Fond d'écran, ouais, je voulais changer et puis bon, voilà. Ah, nous avons un arrobas char. Ah. Ça vaudra pas le shérif Harry, quand même. Ah. Shérif Harry. Alors, dans la créature, nous avons notre nœud. C'est là où le sac de nœud prend tout son sens. L'inventaire, on s'en fiche pour l'instant. L'attaque, la défense et le mouvement. Alors, on pourrait peut-être déjà commencer par passer l'attaque. Parce que c'est plus simple et ça nous permettra de nous rôder un peu. Quoique je vais déjà passer les stats, mais voilà. Donc on va créer un script et... attends, annuler. Je crois... Ah oui, si, c'est ça, un truc que je voudrais faire. Dans la liste des scripts. Au niveau des scripts... Ah voilà, j'ai créature info. Qui a un underscore. Et créature info... En fait, je voudrais lui enlever son underscore pour que ce soit la même... Ah oui. Il est stocké où? Créature info, UI. Elle est dans UI. Mais t'as la scène du même nom avec underscore. Donc c'est... Mais dans les scripts, ça serait plus logique qu'il ait pas d'underscore. Ouais. Donc du coup, que je peux faire? Bon après, on a des scènes avec des underscores. Hein. Attends, je peux le renommer là, en fait. Ça marche si je renomme ici? De toute façon, ouais, moi c'est ce que je fais aussi. J'ai renommé. Et je du coup... Dire, je peux faire F2, mais j'ai eu un doute à me dire, attends, c'est moi qui est configuré comme ça ou pas? Parce que je sais que j'ai glissé 2-3 configs en touche. Et du coup, si je rouvre ici... Ouais, non, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Je relance le jeu. Et... Créature info, il est hop. Ah. Bien. Hey, c'est un cas de figure qu'il faudra qu'on... Ah oui, mais normalement, ce sera pas possible. Là, en fait, je... Oui, ce sera pas possible. J'ai déplacé mon joueur. Je l'ai mis dans le... Dans une case interdite. Ah bah oui. Mais regarde, là, je peux sortir. Ah ouais, comme quoi... Ah oui, tu m'as déplacé. Attends, tu m'as déplacé comment? Bah, en mode exploration. Ah oui. Donc ah, ça oui, n'arrivera contre, ça pas. Sera... Ouais, mais faut... Oui, non, parce que t'auras des blocs de collision. Parce qu'il y aura des blocs de collision. Ouais. Donc voilà, ça n'arrivera pas. Là, il n'y avait pas de collision en explo. Ouais, c'est bon ça. Par contre, ça veut dire qu'en expo, il faudra des boîtes de collision qui fassent, qui soient quand même relativement larges, tu vois. Non, parce que là, en fait, non. Ce qui se passe, c'est que là, l'image, tu te rappelles, je l'avais faite avec Tilde. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais placé les objets pas sur la grille.
Ouais, c'est vrai. Donc non, on les placera sur la grille. Donc Alors, je sais pas si on les placera sur la grille, mais on verra. Ou alors on fera. Je sais pas, on verra. On verra, on verra, on verra. Ou alors, sinon, là, tu sais, c'est à mon avis, c'est relativement simple. Au moment où le script réajuste les coordonnées pour les ajuster à la grille, on vérifiera si la case est une case de collision ou pas. Et si c'est une case de Ouais. collision, on le mettra sur la case de co non collisionnée la plus proche. Au pire. Pense qu'on pourra s'en sortir. Donc ça fonctionne. Donc voilà, je préférais avoir renommé comme ça créature. Tu vois, j'ai créature, créature défense, créature info, créature stat. Et je pense qu'on mettra les nœuds éventuellement dans l'ordre alphabétique. Sauf créature info parce que il n'est pas sur le même. Il est pas au même endroit. Créature info, c'est un nœud qui est lié au path follow 2D pour que ça Ouais. suive la créature. Alors, faudra bien faire attention parce que tu sais bien que l'ordre nœud, t'as aussi l'ordre de priorité de, enfin, d'exécution des scripts et Ouais, mais là, tout. comme c'est des nœuds, ça change Ouais. rien pour les scripts. Ah oui, Ok. ouais. Bah non, Ouais. parce qu'ils sont au même niveau, ils sont tous Ouais, moi mais je je sais crois qu'ils pas. sont quand même exécutés De haut en bas ou de bas en haut? De haut en bas. de bas en haut de De mémoire. bas en haut, c'est pas logique. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le script. Alors, je sais que c'est comme ça pour les couches, pour les layers de dés. C'est que c'est. C'est nous les nœuds en fait. C'est voilà, c'est de bas en haut, ça. Par contre, ça, c'est D'accord. sûr. Après, sur l'exécution, je. Joker? Joker, Après, c'est pas très très grave. Mister Mopy. Donc du coup, je vais créer mon script attaque. Donc je vais utiliser la même nomenclature. Donc créature attaque. En GD. Créer. Ok. Je devrais créer des trucs vides. Hein, ça m'aide à chaque fois de supprimer ça. Ouais, bah ouais. Nœud de vache et nœud plat. Ça me fait penser à la chanson Les deux vaches, les deux vaches, les deux vaches, vache, vache. Il n'y Ah a pas un truc non. nœud? C'est l'artichaut. Nœud. Je crois pas. Alors, si je vais dans mon script créature. Bon, après, t'as tellement de possibilités sur ce type de chanson que. Bon, ben. Alors, oh, c'est ça qu'il faut qu'on rapatrie. On a notre fonction zombie attaque et notre fonction creeper attaque. Pour l'instant, c'est les mêmes, hein. Il n'y a pas grand-chose qui change. T'as la fonction attaque jusqu'au-dessus que tu Oui. gardes Et ici. bah, je sais pas. Justement, Ouais, c'est là où celle-ci, t'as, c'est là elle où il y fait a un match. un dilemme. Ouais. Elle fait un match. Donc, c'est là où à terme, on aura peut-être besoin des références là dont parlait. Ouais. C'était l'inuxidable Ouais. qui nous disait ça lors du dernier stream. Mais bon. Tu vois, je suis déjà en train de me poser la question, et je pense que toi aussi, si on déporte ces scripts sur les nœuds, sur un nœud attaque, comment on fait pour aller les chercher derrière, quoi? Aller chercher derrière, c'est pas très compliqué. On passera quand même par le script créature. Ouais. Je pense. Mais on fera juste un renvoi, non? Parce que là, pour le script stat. C'est ici. En fait, c'est le script créature qui appelle le script stat, en fait. Ouais, bah ouais. Donc Et là, ton stat, tu le préloades au début, je suppose. oui, là pour le coup je le préload au Ouais, c'est ça. début. Mais ma fonction d'attaque, elle peut être soit appelée
Bah, je vais faire une recherche. Parce qu'en fait, là, je suis en train de me dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir quel type de créature attaque qu'on a? Ah bah oui. Pas forcément. Enfin, non. Ah bah, alors, pour l'instant, c'est la même chose, mais à terme, bien évidemment ouais, que non, si. Mais en fait, je prolonge mon propos, c'est est-ce que le script créature a besoin de savoir quel type de créature attaque? Pas forcément. Non, on peut. C'est ton script créature attaque qui peut, qui voilà. serait. On voilà. pourrait faire le match après. C'est-à-dire qu'en fait, on attaque. En gros, dans nos créatures, tu sais que tu attaques. Et dans script attaque, tu te dis ok, j'attaque. Mmh. Et en fonction de la créature, c'est ça. Ouais. Ouais, on peut faire ça. Je sais pas si c'est une bonne solution, mais je pense que tu vois, ça. Ça nous permet de. Ça nous permet un peu de. D'épurer un peu, tu vois. Mmh. Alors, on a ici dans la fonction action. Hein? Possibilité d'attaquer. Je baille et je me mets en push tout haut comme au moment de bailler. Donc en fait, la fonction attaque, elle est appelée qu'une seule fois. Ouais, bah parfait. Ce qui m'étonne. Ah non, c'est-à-dire qu'en fait, on repasse par le... Tu vois là en fait dans la fonction action on détecte si le là pour l'instant en fait on n'a qu'une seule façon d'attaquer ouais. C'est quand le joueur est à proximité. Ah ben oui exact et ça va falloir le court-circuiter parce que ouais. Le squelette il va pas attaquer de la même façon et le creeper oh, non plus. Donc, en fait, c'est presque tout ça qu'il faudrait rapatrier. Carrément toute la fonction action. Parce qu'en fait, dans l'idée, le script attaque, c'est pas que le script attaque, c'est... Ouais, mais je crois que c'est ce qu'on avait dit, en fait, que c'est là qu'on aurait... Hein... C'est là le truc de... En fait... Ouais, alors attends, ton script créature, qu'est-ce qu'il gère exactement? Tout, pour l'instant. Ouais, non mais... Bah, il gère l'attaque, il gère le déplacement. C'est ça. Enfin, il gère pas vraiment le déplacement, mais il gère... Enfin, il gère la destination. D'accord. En fait, c'est lui qui calcule... La destination qui prend l'initiative. En fait, c'est plus. Il prend l'initiative du déplacement et il calcule la destination. Par contre, l'exécution du déplacement, c'est pas lui qui le fait. Ouais, c'est pas ce cryptographe, c'est. Bah, c'est le game board. C'est le pathfinding, je sais plus. Enfin bref, mais ouais. Non, attends, je te dis une connerie. C'est le générique ennemi qui le fait. D'accord. Ouais. Ouais, donc générique ennemi, qui ça... est un type à part, mais qui est au départ un pass-follow. D'accord. Mais oui, donc qui, lui, par contre, gère vraiment le déplacement. Le calcul des points. Ah, ouais, c'est ça, voilà. Le déplacement. Le déplacement, mais en mode combat comme en mode déplacement libre. Non. Pour l'instant, que en mode combat. Que en mode combat, d'accord. Pour l'instant, il n'y a aucun déplacement en mode libre. Bah, t'as bien le creeper, le zombie qui est là-haut. Ah, mais il n'a pas le même script. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout la même créature. Ouais, c'est ça. Ah, Donc, en fait. Notre script attaque
Alors, est-ce qu'on peut pas travailler à l'inverse? Ça serait plutôt un script action, quoi. Et parmi les actions, il y aurait les attaques. Après, est-ce qu'on pourrait pas bosser à l'inverse? C'est-à-dire reprendre nos nœuds, se dire, ok, dans ce nœud-là, on veut ça, dans ce nœud-là, on veut ça, dans ce nœud-là, on veut ça, et puis en fonction de ça, après, on... Mmh. Bah, en fait, là, dans mon nœud attaque... Je sais pas si c'est mieux, tu vois. Ouais, dans le nœud attaque. Donc... Alors, ce nœud... Gère. Oula. Gère, c'est bon. Faudrait que je fasse... Comment on avait fait, là, pour l'autre truc Ah C'était dans quoi? Dans quoi, qu'est-ce que donc que j'avais mis mon super... Warm. Où est-ce que j'ai foutu ça? Dans Global Script, je crois. Yes. Donc c'est des guillemets, trois guillemets. Ah... Ah, trois doubles guillemets. Parce que moi, tu me dis guillemets, j'en mets qu'une, tu vois. Hop. Donc, ce nœud gère. Le choix de l'action à effectuer. Donc, attaque ou déplacement. Pour l'instant, on va se contenter de ça. Mais il y aura peut-être, je sais pas, fuite. Fuite, une attaque. Tu n'as un déplacement. Oui. Tu as un type de déplacement particulier. Utiliser un objet. Tu vois, potion pour les sorcières. Bah, c'est une attaque. Potion pour soigner. Ça sera en défense. Donc. ça sera pas en défense, non. La défense, c'est essentiellement le calcul des dégâts que tu subis. Ouais, donc le script défense, il est plus simple en fait. Du coup, on pourrait presque renommer ce script action plus que attaque. Mais bon. Le choix de l'attaque à effectuer. En fonction du type de créature. Parce que c'est à chaque fois c'est en fonction du type de créature. Ok, Mr. Mopi. Merci. C'est pour les enfants, donc ça va être facile à comprendre. Et je dirais le calcul des dégâts primaires avant la défense. Kids can cut. Ouais, c'est pour ça que je disais ça en fait. Mais c'est vrai que j'avais déjà aperçu ce site en fait, Kids can cut. Ouais. Tu vois, ça te va ça? Donc ce nœud là, le nœud attaque, il gérait ces trois choses là. Le choix de l'action effectuée, soit on attaque, soit on se déplace, soit on verra plus tard. Le choix de du type d'attaque à effectuer. Ouais, peut-être plutôt du type d'attaque, ouais. D'attaque, je précise. Ouais, ça sera mieux. Le choix. Peut-être entre parenthèses, tu vois. L'attaque à effectuer. Marque, et... Au pire, marque cac et puis distance, tu vois, comme ça. Ouais, cac. Ah, toi aussi, tu dis cac. Je dis cac. C'est un... Et le calcul des dégâts primaires avant la défense. Parce que c'est le script défense, tu vois, qui calcule les dégâts réels pour tenir compte de la défense de la créature en elle-même. Oui, parce qu'en fait, si... En fait, le creeper, on va dire, ouais, je prends le creeper ou une zombie, il est censé te mettre 10 points de... J'ai une bêtise, hein, mais 10 points de dégâts. Il a fait son lancer de dé, il fait 10. C'est ça, il fait 10, sauf que comme toi, t'as un une armure, bouclier, une armure plus ton bouclier, bah, en fait, tu prends 0 parce que t'as voilà. 15 points de défense. Mais ça, on n'a pas besoin de le savoir au départ, il faut quand même au départ calculer les dégâts bruts, en fait. C'est ça, on est d'accord. Là, tu peux mettre les dégâts primaires, dégâts bruts. Non, mais moi, en fait, c'est une calcul des dégâts, point, en fait. T'as même pas besoin de te poser la question. Non, mais je précise, avant la défense.
avant, avant la défense. C'est agglomération, c'est plus à CAC maintenant. Comité quoi d'agglomération du jeu. Le CAC 40, ça n'a pas changé. Non, c'est ça, non, c'est le cube 40. Comité d'action contre les chats. Mais il manque une lettre. Bon. Comité d'action contre les chats, ouais, en gros des apostrophes. Comité d'action contre les chats. Tiens, contre. Ah, pardon. Oui, oui, pardon. Donc, partant de ce principe, il faut qu'on ramène tout. Bah, tout ça là-dedans. Il faut... Au moins, maintenant, c'est plus que. Enfin, tu vois. Bah, voilà. Il faut qu'on ramène ça, la fonction action. Voilà. Avec un S. Action. Alors, cette fonction action. Cette fonction action, je pense que c'est le gameboard qui la lance en fait. Ou la timeline. Non, c'est plutôt timeline qui l'envoie. Pas gameboard, n'importe quoi. Timeline. Enemies action. Ok. Les circuits aléatoires chanéens. Ouais, alors, c'est ça. J'ai quelques bases de. Donc c'est bien ça. Ah non, c'est en informatique, ouais, non, peut-être pas alors. C'est fou, mais ça paraît crédible si vous êtes un genre de. Ah, grand fou. Je me congèle les deux pieds dedans, tu vois, la preuve. C'est bien fait. J'étais à deux doigts de goûter, pour te dire. Hein. Donc, effectivement, on a notre script timeline qui vérifie si le. Alors du coup ce test là, on pourrait presque le faire sur la créature, hein. Est-ce qu'elle a des points d'action ou pas? Parce que c'est elle qui va... Bon ça, tu vois, c'est là, tu vois, j'ai fait un debug en fait. Tu vois ici, le debug, c'est là le fameux changement de tour en fait. Ouais, bah oui. Et si je l'ai enlevé, c'est qu'il y a aussi une raison. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est le script timeline qui gérait le passage du tour. Or, le script timeline, il ne pouvait changer le tour que si la créature avait 0 points d'action. Parce qu'elle ne peut plus rien faire. Mais en vrai... et on le voit avec le comportement du zombie. Ce n'est pas parce qu'une créature a encore quelques points d'action qu'elle peut encore jouer. Et elle peut tout à fait avoir encore des points d'action, mais ne pas avoir envie de se déplacer, par exemple. Donc, elle passe son tour, même s'il lui reste genre un point d'action, parce qu'elle ne peut pas attaquer, mais elle ne va pas se déplacer pour autant. Ouais, et ça, ou le elle script... peut pas parce qu'elle est coincée. Voilà, ou X ou Y raison. Mais ça, le script timeline, en fait, c'est pas lui qui doit savoir ça. C'est la créature qui doit le savoir. Ouais. Donc, à terme, je pense qu'il faudra créer une... Une façon de dire au script timeline, c'est bon, j'ai fini de jouer, tu peux passer le tour. Ouais. Mais c'est la créature qui le dira, c'est pas le script timeline qui prendra la décision tout seul. Lui, le script timeline, il restera en « j'attends que la créature fasse son truc yep. ». Donc cette partie-là, a priori, va changer. Ce qui nous ramène à l'action, donc...
Donc là, en fait, notre ennemi, il fait deux choses. Il calcule les coordonnées. Calculer de ses coordonnées. Donc ça, c'est en créature. Bah ça, ça manque un peu dans Godot, à moins que je ne sache pas. C'est la possibilité d'afficher deux scripts en même temps. Je pense pas que tu puisses. On peut pas scinder la fenêtre en deux. Hein. Mode sans distraction. Nouvelle scène, non? Ça se trouve, on peut. Hein. Disposition de l'éditeur. Ouais, c'est ce que je voyais, mais. C'est pas grave. Donc, calculate cell, ça doit être dans la créature. Calculate cell, coordinate, c'est ça. Tiens, je ferais bien un petit test. Comme ça, je vois rien qui me permette de faire a priori. Couper en deux. Après, si tu veux comparer, enfin, tu vois, après, ça, c'est le genre de truc, faudrait presque passer sur un éditeur externe, tu vois. Pour... Et merci, Sarah, pour le follow. Ah bah voilà, regarde le petit bot qui nous fait le lien pour le jeu Humankind. Et c'est le Yukino. Bonsoir Yukino. Là, je vais tester un truc. Je te montre et je t'explique la raison de mon test. Ici, dans le script timeline, on va le simplifier. À un tout petit niveau, hein, mais on va le simplifier. Parce qu'en fait, tu vois là, il prend en charge deux choses. Il dit à la créature à qui c'est le tour de jouer... calcule ta case, calcule les coordonnées de la case sur laquelle tu es, et ensuite tu fais ce que tu as à faire, tu déclenches tes actions. Or, je me dis, ça sert à rien de lui dire deux fois. Ouais, bah oui. Il suffirait que je lui dise, déclenche tes actions, et la première de ces actions, ça serait de calculer sur quelle case elle est. Donc on rapatrie une fonction directement sur la créature, parce que c'est sa fonction à elle. Tu vois ce que je veux dire? Mais là où je me pose une question. Et c'est les raisons de mon print. Là, on appelle les fonctions les unes après les autres. Donc, on calcule la case et après, on lui dit de faire l'action. Et du coup, dans la créature, ici, je print la case dans la fonction que calculer la case. Et après, je reprint la case dans la fonction action. Mon test, c'est de voir si, quand j'exécute le jeu, cette ligne-là, elle apparaît bien avant celle-là. Yep. Ou alors si l'ordre est inversé. Pour savoir un peu dans quel ordre s'exécutent les fonctions. Et après, si je rapatrie la fonction de calculer les cases à l'intérieur de la fonction action, est-ce qu'on arrive à garder le même ordre d'exécution ou pas? Ouais. Tu vois le sens, l'intérêt de ce test? Ouais, je vois. Donc, je vais mettre en deux écrans. Hop. Donc là, c'est normal. Hein. Initialisation, il n'y a aucune créature qui a joué, mais elles ont toutes les trois calculé leur case. Donc ça, c'est normal que ça... Normal. Donc là, c'est au joueur de jouer, je vais pas jouer. Je passe directement à... au creeper qui est tout en haut. Ça s'est exécuté dans l'ordre. Et il a fait deux actions. En fait. Normal. Il a fait le déplacement. Et après, comme il lui est resté des points d'action, l'attaque. Ok. Donc maintenant.
ici. Je vais lui demander d'exécuter cette fonction. Sans les deux points. Sans rien du tout. Est-ce que je... Ouais, pardon, je t'avais vu mettre fonction en plus et je t'ai rien dit. Et du coup, donc là j'enregistre, et dans la timeline, je vais commenter la zone celle-là. Ouais, la fonction, enfin l'endroit où tu peines la fonction. Et du coup, est-ce que ça casse tout? Oula. Alors, il y a eu... Il y a eu plein de choses de print. Il y a eu les trois créatures qui ont calculé leur première positionnement. Ensuite, il a bien calculé d'abord la fonction que je lui avais demandé. Après, il a imprimé l'action. Et il avait bien... tu vois, les cases sont... Ouais. Sont cohérentes. Les deux fonctions, enfin si tu veux, le print qui est ici, là, il n'a pas eu le temps de s'exécuter avant la fin du calcul de la case, puisqu'il affiche bien la nouvelle valeur de la case. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'a pas eu besoin de... Enfin, il ne s'est pas fait court-circuiter, tu vois, il ne s'est pas printé avant... Ouais, ouais. Que la case ait changé de valeur. Ensuite, il a fini son déplacement. Donc, il m'attaque une fois. Il m'attaque deux fois. Il m'attaque trois fois. Et ça correspond... J'ai perdu trois points de vie. Ouais, donc c'est ça. Ok, donc ça marche nickel. Perdu deux, ouais, donc ouais, t'as perdu un cœur et demi en trois points. Ouais, ouais, donc, ça marche nickel. Parfait. Là, je vais le recommenter, ça peut toujours servir. Et du coup, dans mon script timeline, là, je le vire. Yep. Ce qui me simplifie un peu mon script. Bon, pour l'instant, je garde ça, hein, qui permet de rien faire d'ailleurs. Pour l'instant, ça sert à rien en fait. Enfin si, ça désélectionne. Non, ça sert à quelque chose. C'est pas comme ça qu'on le fera à la fin, mais ça sert à quelque chose. Ouais, c'est plus ça. Donc maintenant, c'est plus simple, c'est plus clair. J'ai plus qu'une seule fonction à faire autrement. Alors, là, mon script timeline, il ne sait interagir qu'avec la créature. C'est-à-dire avec le nœud principal de la créature. Ouais. Il n'a pas accès aux autres nœuds qu'on a créés. Non. Je serais d'avis de garder ça, parce que si on commence à rentrer ouais, dans... Moi, je suis d'accord. Ça, on va se compliquer la vie, non ? Autant, ouais. Autant garder ça. Par contre, du coup, c'est le script créature qui va se charger, lui, de dire, bon, bah voilà, l'attaque, c'est pas moi, c'est le nœud c'est va ça, avoir machin. L'étage du dessous, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, surtout qu'en fait, là, tu vas chercher un étage en dessous, tu vois, donc ouais. Tu vas chercher un enfant du nœud ouais. Principal, donc c'est... Donc ça, je le garde. Simple à faire, quoi. Ça, je le garde. Et du coup, par contre, dans mon script créature, et bah, tout ce qui est là, en fait... Ah, tu peux peut-être repasser en vue, plein écran, okay. Programmation ? Ouais. Donc, comme t'as pas... Ça me permet de mieux voir. Moi, tout aussi. À fait. Pour tout le monde, mais pour moi le premier, on va dire. Donc maintenant, bah, c'est tout ça qu'il faut que je mette dans mon script attaque, quoi. Bah, a priori, ouais. Alors, vérifier à chaque fonction ce que ça sert, mais... Ah, c'est juste que là, on a un souci de... Là, il y a un déplacement. Tu vois, gestion du mouvement. Et gestion du mouvement, bah, on va le faire dans script mouvement. Donc là, on va faire deux, on va faire plusieurs déplacements en parallèle. Ouais.
va être coton quand même. Alors. Dans le stats, j'ai accès à créature, get par. Donc ça, il est clair que je vais en avoir besoin dans mon attaque. Hein. C'est obligé. Mais je crois que je vais avoir besoin aussi. Je crois que je vais avoir besoin d'accéder aussi. Alors j'ai une question. Ouais, dis-moi. Tu vois là, je fais appel au game board. Mmh. J'ai besoin de savoir si la cible est sur une case adjacente du attaquant. Machin. Est-ce que dans mon script attaque, bon là ça va pas marcher hein, parce que voilà, j'ai pas ce qu'il faut, mais si, est-ce que je peux faire créature.gameboard? Non, ça va pas marcher parce que tu dis pas créature. En fait, créature c'est une variable. Oui, mais je l'ai déclaré ma variable. Ah, tu as déclaré juste avant. Parce que tu... En fait, l'idée, ça serait d'éviter de déclarer le game board, mais bon, après... Ouais, bah oui. Je sais... Bon, en tout cas, ça n'a pas l'air de vous plaire, quoi. Ça lui plaît pas, parce que j'ai, pour l'instant, j'ai pas de player cell. Eh ben, essaye de résoudre le player cell et de faire, et puis on voit si ça lui plaît mieux, déjà. Ok. Alors... Non, je sais pas, je tenterai un truc comme ça, tu vois. D'accord. Donc... Fonction ready, pour l'instant on va la mettre pass, je sais pas si on l'utilisera plus tard. Donc on va créer une autre fonction. Et cette fonction là, ça va être... En fait, je me demande s'il faudrait pas faire un match interne à la fonction attaque. Pour savoir si on est en train de choisir l'action à effectuer. Si on est en train de choisir le type d'attaque. Et si on est en train de calculer les dégâts. Ah, parce qu'on a trois étapes finalement dans notre... Non, on a trois possibilités en fait, quoi. C'est pas trois possibilités, c'est trois... C'est trois états de l'IA, tu vois. Est-ce qu'on est en train de chercher, de réfléchir à... Est-ce qu'on va attaquer, est-ce qu'on va se déplacer, est-ce qu'on va utiliser un objet ou ouvrir une porte, enfin je ne sais quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Première étape, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième étape, quelle attaque on effectue? Ouais. Je suis en train de réfléchir en fait en même temps. Ça serait une sorte de tour interne, tu vois, de... Ouais, c'est ça, mais pour moi en fait, ce tour interne... Bah quoi que non, on peut... Tu fais pas forcément toujours dans le même sens, quoi. Mais justement, l'avantage de l'énumération, c'est qu'on pourra changer, on pourra y revenir en fait. Ouais, sauf que on est d'accord que en termes de d'IA, c'est je suis dans une case, le joueur est dans telle case. Là, basiquement, aujourd'hui, c'est ça. C'est je suis à tel endroit, le joueur est à tel endroit. Est-ce que je suis assez prêt pour attaquer directement ou pas? Ouais, c'est ça. Je suis assez prêt, j'attaque, je ne suis pas assez prêt, je me déplace. Ouais. Une fois que je me suis déplacé, est-ce que je suis assez prêt ou pas pour attaquer? On est d'accord que c'est ça l'idée actuelle, tu vois. Donc, d'ailleurs, le seul action effectué, c'est passer le tour. Oui, mais on est toujours dans un a priori dans le schéma que je vois, c'est je me déplace, oui non, j'attaque, oui non. Non, c'est pas j'attaque oui non, c'est bah si en fait. Bah c'est plus j'attaque comment. Bah j'attaque pour moi c'est même pas en fait c'est j'attaque est-ce que parce que quand je dis oui non c'est je me déplace
Donc maintenant, après, ouais, j'attaque, en fait, c'est si tu te déplaces et que t'as plus de points d'action, en fait, tu passes, quoi. Mais, en fait, c'est presque... je me déplace, je vérifie combien il me reste de points d'action. Si j'en ai assez, j'attaque. Si j'en ai pas assez, je passe. Et si j'ai pas besoin de me déplacer, j'attaque. Je vérifie combien j'ai de points d'action. Est-ce qu'il m'en reste assez pour attaquer? Oui. Je réattaque. Je vérifie. Puis au moment où tu n'as plus assez, bah, tu passes ton tour. Mmh. Oui, mais du coup, donc, tu vois moi, ce que je veux dire par là, c'est que l'ordre de décision est toujours le même. Donc, je vois pas l'intérêt du match, en fait. Bah, l'intérêt du match, c'est de passer d'un état à l'autre. Enfin, d'un état de la réflexion à l'autre. Enfin, Ouais, mais en fait, il se fait naturellement, tu vois. C'est un if. Mais comment tu reviens au début ? T'as pas besoin de revenir au début ? Bah, en fait, attends. Si, parce que quand t'attaques plusieurs fois. C'est vrai, Là, tu vois, c'est là que j'ai besoin, en fait, moi, pour arriver à réfléchir, de poser les choses sur le papier, en fait. Moi, pas de soucis. Donc, je suis parti, je pose ça sur le papier, et puis. Puis je pense que ça nous servira derrière. Alors. Parce qu'en fait, là actuellement, on ne fait que vérifier un seul type d'attaque. En fait, on fait que vérifier si le joueur est à côté pour faire une attaque au corps à corps. Ouais. Mais en fait, même cette étape-là, finalement, elle est incomplète. Il faut qu'on prévoie qu'on va faire un choix entre attaque à distance. Ouais, mais non, parce que ton choix attaque à distance, attaque CAC, il est fonction du type de créature. Il n'est pas fonction. Pour moi, il n'est pas fonction de la distance que tu as du joueur. Bah, il est les deux en fait. Enfin, il est les deux, mais en fait, c'est ce que je veux dire par là, c'est que en effet, si t'es une créature est un zombie ou un creeper, faut qu'il soit au contact du joueur pour attaquer. Si c'est un squelette, il n'a pas besoin d'être au contact du joueur. Mais il faut quand même qu'il soit dans une certaine zone. C'est ce qu'on a décidé, tu vois. Donc, pour moi, en fait, on est... La boucle, pour moi, est la même, quoi. Où est-ce que je peux mettre ça? Ah oui, alors, par contre... ouais, je vais mettre ça là. Alors, il y a un truc que je me dis, là, dans la fonction action, il y a un truc inutile. En fait, on envoie à la créature son propre nœud. Or, maintenant, on avait rajouté un truc pour qu'elle le sache, son propre nœud. On l'avait appelé créature node. Ouais. Donc en fait, maintenant, on n'a plus besoin de ça. On pourrait l'enlever, ça. Et utiliser à la place créature node. On pourrait essayer, d'ailleurs. Est-ce que ça marcherait? Je vais essayer, tiens, déjà. Rien que ça, sur ce point que tu poses les idées. Hop. Et là, si je mets à la place créature... On est d'accord que je suis... Oh, ah. Oui. On est d'accord que je suis en détection de voix. Bah ouais, je t'entends. Oui, non, mais j'étais en train de me dire, attends, je suis en quelque mode parce que je switch. Voilà. À un moment, tu sais plus où t'en es. Donc, je me suis remis en push tout que comme ça va éviter que je réfléchisse à voix haute. Je vais pas, ah, ça marche. Je vais pouvoir réfléchir à voix haute. Ah bah oui, mais ça marche pas parce que oui, bah, j'ai fait du caca ici. Non. Ça a l'air de marcher, hein. Déjà le creeper il a bougé, il a attaqué. Ça marche nickel, je suis mort. Donc effectivement. Si me simplifier la tâche, j'aurais plus qu'à lui envoyer le player 2.
À quel autre moment j'utilise À quel autre moment j'utilise Active Enemy? De correspondance. J'utilise que là. Donc en fait, je peux l'enlever ça. Alors là, il va pas être content. Parce que le timeline va lui en envoyer deux. Timeline, timeline, timeline. Mais maintenant, je peux peut-être enlever ça. Je teste. Si je n'appuie pas sur la bonne touche, ça ne marche pas. Ça a l'air de marcher. Hein. Oh. Je gagne. Quoi? Ah, il y a eu un bug. Sais-tu qu'on a eu un bug? J'ai tué le dernier creeper, je suis mort quand même. Bon. Aïe. Bon. Il y a des bugs. Ouais. Mais en tout cas, ce que j'ai modifié, voilà, c'est plus simple. Du coup, en fait, je me contente de passer, c'est plus simple, une seule information à la créature, puisqu'elle sait qui elle est. Je lui envoie juste l'information de la case du joueur. Où est le joueur? Parce que ça, elle a besoin de le savoir. Du coup, en simplifiant ça, ça me permet d'envoyer moins d'infos vers le script attaque en fait. Tu m'excuseras, je suis en pleine réflexion donc. Tu fais ça sur un document. Drive AstroTR. Yep. Il s'appelle comment ton fichier? Déroulement action créature logiquement. Attends. C'est bien dans notre dossier partagé hein. Logiquement oui. Il s'appelle déroulement. Déroulement action créature. Ah les portails AstroTR. Ah. Excuse-moi, bah, j'ai préféré prendre celui-là parce que comme celui-là c'est ton Doran et pas ton. Ouais, voilà. Pas de soucis. J'ai préféré. Comme ça je le vois. Voilà, non, et puis surtout que ça t'évite. Ça peut t'éviter des leaks en. Est-ce que je suis à quelle distance du joueur? Elle est magnifique, t'inquiète. Oui, c'est. Voilà, c'est. Attends. T'as pas fait ça avec. Ouais, non, j'ai pris un bon vieux. D'accord, Drew. Ok. Parce qu'en fait, je commençais d'une façon follower, et puis Bienvenue à toi. Je suis en train de changer mon. Du coup, ça, je peux le virer. Alors, non. C'est bien pour une fois, c'est Oran qui me regarde bosser et pas l'inverse. Ouais, je vais quand même continuer les petits trucs. Je regarderai quand on aura un peu plus avancé. Calculate cell coordinate. Donc ça, pour l'instant, on va laisser là. Donc là, faudrait qu'on ait accès de toute façon, quoi qu'il arrive, à notre nœud de défense. Donc, on redivar attaque. J'ai presque envie de le renommer action, qu'est-ce que t'en penses? Bah, action, hein, parce que. Et je mets un S, actions, ça, les différentes ouais. Actions possibles. Ouais, bah oui. Donc, du coup,
Ça serait... Allez, du coup, je change là. Du coup... On va renommer notre nœud action et du coup notre script créature attaque, ça va devenir créature actions. Et du coup, actions, creature actions. Voilà, on y arrive. Et du coup, ici, et donc la première fonction, ce serait en fonction de la créature. Savoir si on se déplace ou pas. Donc. Mais je crois qu'il va falloir faire une fonction pour gérer quand même les étapes que tu es en train d'imaginer. Donc, function. On va l'appeler control actions. Pour l'instant, on va faire comme ça. Et on va avoir besoin de player cell. Et donc, eh ben écoute, ça marche, hein. Tant mieux. Tu sais le creature.underscore.gameboard. Ah oui, ça marche, parfait. En tout cas, il n'y a pas d'erreur. On ne sait pas si ça marche dans le script, mais en tout cas, il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Il n'y a pas d'erreur de syntaxe, c'est fou ça. Un peu alambiqué comme, comme truc, mais... Ça évite de recréer la fonction gameboard en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, la, pas la fonction, mais d'aller rechercher Gameboard. Et donc, si je fais... Ici, c'est juste pour faire un test. Et là, on va lancer donc... actions. Point. Contrôle. Pas enregistré, c'est peut-être pour ça qu'il ne trouve pas. Control actions. Ouais, il la trouve. Player cell. Et donc là, si je relance le jeu. Ça marche. Ça marche. Donc déjà, j'ai réussi à connecter mon script action et je peux faire des choses avec. J'arrive à lui envoyer les coordonnées du joueur et je peux utiliser des variables de l'autre script. C'est fou ça. C'est fou à quel point c'est...
après tout, je vais garder le player cell. J'avance petit à petit. Ton test là, est-ce que j'ai assez de points d'action? Ouais. Je le mettrais même. Attends. Laisse-moi. Avant, non? Avant de faire oui non. Avant la question, est-ce que je suis à la bonne distance du joueur pour attaquer? Bah, j'ai hésité en fait. Attends. Ouais, si, je peux. Mais il En faut fait, la. attends. Garde-la cette question-là. Parce qu'en fait, cette question-là, tu peux la laisser, il faudra la poser plein de fois. Ouais, oui, non, mais je sais. Mais ouais, je peux la poser ici, en fait. C'est-à-dire que toi, tu reviens comme ça. Je te duplique pour te mettre. Donc ce serait est-ce que j'ai assez de points d'action? Et donc en fait il va me falloir une fonction est-ce que j'ai assez de points d'action? Attends, Ah voilà, si non mais comme on va l'utiliser plein de oui, bien fois, sûr. je vais la Eh créer ben tout de oui. suite. Attends, parce que Bah, je sais pas ce que je te propose, je sais pas si ça va te plaire, non mais donc. ça va me plaire. Est-ce que j'ai assez de points d'action? Ça va me plaire D'accord, toujours. ok, bon. Et en plus on va utiliser la fonction stats. Du coup, cette fonction, je l'utiliserai pour le mouvement aussi. Ah oui, non, mais en fait, Donc, oui, mais je en pourrais fait, la c'est créer sur la ici. créature. C'est ici qu'il faut que je descende. Ça. Est-ce que c'est anglais mon truc? Do I have enough action points? Ça me paraît bizarre. Oh, ça me paraît bizarre comme ça aussi, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'anglais que là. Ai-je assez de points d'action? Do I have enough action points? Oh, c'était parfait ma phrase. C'est franglais. Bah écoute, Google me dit que ça va. Google me dit que ça va, donc. Et si tu refais la traduction à l'inverse, il te dit quoi? Parce que des fois. Ai-je suffisamment de points d'action? Ouais, bon, ça va. Donc, Voilà. c'est parfait. Et donc, on va recevoir action cost. Le coût de Bah, en l'action. même temps, pourquoi? Ah non, c'était la fonction, d'accord. Après, t'as dire, depuis quand on fait des commentaires en anglais? Non, c'est carrément ta fonction qui s'est imployable. Et donc, je veux qu'elle retourne vrai ou faux. C'est exactement ça en plus, tu vois. C'est exactement ce qu'il me faut. Bah, c'est pour ça que c'est pour ça que je le fais tout de suite. Mais Je bah suis oui, non sûr qu'on mais. va en avoir besoin. Donc, boule. Ça va pas marcher parce qu'il faut que je return. Alors attends, faut que je regarde comment j'ai bidouillé ça dans dans le game board pour me souvenir de la syntaxe. Si j'utilise Lingui, bah vas-y, fais-le Emrinves. Parce qu'après, a priori, il n'y a que nous qui lirons ça, hein, donc si c'est franglais et que Google Traduc dit que c'est bon, on n'a pas besoin d'avoir un niveau littéraire d'anglais. Alors, is. Target is in adjacent. Donc c'est ça, voilà. Moi, je fais ça bien. Et return entre parenthèses et
return. Donc là, je vais créer une variable. Is ok. Le point égal false. Return is ok. Ok. Donc, if action post post action cost action cost coût de l'action, non c'est ça, if action cost supérieur à et donc on a bien les action points hein, on est d'accord, action points. Return is ok. Égal false. Else is ok. Égal true. Voilà, donc j'ai fait la fonction do I have enough action points. Est-ce que j'ai assez d'action points? Ouais, de points d'action. Et ça renvoie vrai ou faux, donc à chaque fois. Et il faut okay, qu'on lui, parfait. En paramètre, il faut qu'on lui envoie le coût de ce qu'on veut. D'accord. De ce qu'on veut tester. Tu vois, si je fais une action à 5 points d'action, est-ce que j'ai assez de points d'action? Si je fais une action à 10 points d'action, est-ce que j'en ai assez? Et cette fonction-là, je l'ai mise sur la créature. Comme ça, elle sera facilement accessible depuis n'importe quel autre nœud enfant. Ouais, bah ouais. Si, si je sais pas moi, si le script de mouvement a besoin de savoir ça, et il pourra le savoir facilement. Ouais, bah oui. It's all right, sir. The sentence is correct. Thank you very much. Alors, est-ce que j'ai assez de points d'action? T'as la bonne fenêtre d'afficher, est-ce que... Ouais, c'est bon. Non, je passe mon tour. Oui. Alors, est-ce que je suis à la bonne distance du joueur pour attaquer? Alors, oui. Pourquoi je l'ai formulé comme ça, c'est que... Je précise, toi, mon propos. C'est que j'ai formulé cette phrase-là en me disant... Cette phrase est valable que ça soit pour un squelette ou pour un creeper. C'est-à-dire que je m'explique. Oui, tout à fait. Un squelette, on a dit qu'il fallait qu'il soit à tant de cases du joueur pour attaquer. Mais s'il n'est pas dans cette distance-là, il se déplace. Mm-hmm. S'il est bon, il attaque. Et un creeper, idem, tu vois. Enfin, un creeper ou zombie, idem. Donc c'est pour ça que je l'ai fait de façon assez généraliste, la phrase. Au départ, je partais au cac, tu vois. Est-ce que je suis à une case du joueur? Et tu fais, mais non, ça marche pas. Ouais, par contre, ta phrase, enfin ta flèche qui part du déplacement et qui revient au début n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que là, en fait. Tu fais ton déplacement. Ah oui. Tu vérifies si t'as assez de points d'action, mais si t'as plus de points d'action, tu passes ton tour. Ah oui, mais en fait, t'as oublié mon attaque. En fait, que ce soit après attaque ou déplacement, t'as oublié mon attaque est-elle finie, mon déplacement est-il fini. C'était juste ça qui me perturbait. Oui, mais en fait, pour moi, c'est j'attaque, et une fois que j'ai attaqué, je déclenche, voilà, je revérifie. D'accord. Alors, regarde. Pour ça, en fait, pour moi, ça me paraît évident, mais... Oui, oui. Mais... Ah, ouais, d'accord. Hop. Oula. Ah oui, c'est que tu m'as... Je vais rajouter un mot. Attends, bah ouais, regarde, mais si en fait, je fais ça... Des cadres. Non, bouge pas, bouge pas. Ouais. Ah là. Non. Bah si. Non. Si si, attends. Attends la mise à jour. Voilà. Bah c'était bon. C'est... Ouais.
Est-ce que ça te paraît logique? Ah oui, ça me paraît logique, mais... Vas-y, vas-y. C'est argument contre argument. Ah, c'est pas argument contre argument, je pense que c'est complémentaire. Ouais, c'est ça. Maintenant, la question, c'est... Comment... Comment on revient au départ? Tu reviens pas au départ? Bah si, avec ta flèche, une fois qu'on a fini d'attaquer, de se déplacer. Ouais. Et qu'on réexécute la fonction. Pour moi, on réexécute la fonction, en fait. De toute façon, on est d'accord que ça, c'est une fonction. Je l'ai sélectionné pour que tu me voyes en même temps, enfin, que tout le monde voie. Oui, ça, c'est une fonction. Bien sûr, parce que c'est celle que j'ai créée. Salut, Morphy. Ça, c'est une fonction. Ça, c'en est une. Ça, c'en est une. Alors, donc, non, j'attaque et déplacement, c'est pas une fonction, c'est plein de fonctions. Ouais, enfin, t'as ce que je veux dire, quoi. C'est un ensemble de fonctions. Un ensemble de fonctions. Voilà, c'est une fonction principale qui a plein d'autres fonctions pour pouvoir... Et donc, du coup, c'est quoi c'est le script timeline qui permettrait de revenir à ça? Pour moi, en fait... Ce que j'aurais bien aimé... En fait, le script timeline... En fait, pour moi, en fait, il faut que nos scripts ils s'autosuffisent. Bah, je suis d'accord avec toi. Quand on est à la fin de ça, il faut qu'on arrive à revenir ici pour... En fait, je passe mon tour, là. En fait, ouais. Si tu veux, là, actuellement, le script timeline, il fonctionne avec une énumération, donc avec des états que je te remontre. Voilà. Soit on est en mode placement, soit on est en mode initiative, soit on est en mode cinématique, soit on est en mode c'est au tour du joueur, soit c'est... Ouais, c'est ça. Et en fait, ici, là, c'est là où c'est intéressant, c'est important, c'est ces deux-là, l'état 5 et 6. Au moment où on lui dit « I turn », c'est le tour de l'ennemi, il déclenche le script de l'intelligence de l'ennemi. Ouais. Et en fait, dès qu'il l'a déclenché une fois, il se met en mode attente. J'attends que l'ennemi fasse ce qu'il a à faire. C'est ça. Et ensuite, quand l'ennemi a fini ce qu'il a à faire, on passe au change turn. Ouais. Ok, on passe au tour suivant. C'est ça. Et là, pendant le tour d'attente, le script timeline ne fait rien. C'est pour ça qu'il y a un pass. Il fait plus rien. C'est la créature qui fait tout son bidule. C'est ça, on est d'accord. Or, avec ce que tu proposes toi, ouais. Si on ne repasse pas par le script timeline, comment est-ce qu'on fait ta flèche à droite, j'attaque puis déplacement puis, pour revenir au début de l'action? En fait, c'est là où pour moi et toute la subtilité, c'est qu'on revient pas au début de l'action. On redéclenche. On revient pas tout en haut. Tu veux qu'on redéclenche une nouvelle action? Pour moi, on redéclenche une nouvelle. Enfin, on redéclenche. Oui, et donc pour moi, pour redéclencher une nouvelle action, ça veut dire qu'il faut modifier le script timeline et lui redemander, comme c'est actuellement le cas, hein, de non, rebalancer que... un high turn. Non, parce qu'en fait, high turn. Il calcule, il trace ton script ennemi-action, enfin il trace ta fonction ennemi-action. Ta fonction ennemi-action, c'est ce script-là en fait. C'est ce qui fait agir une fois la créature. C'est ça. Mais ça peut être, donc là actuellement, en fait, par exemple là actuellement quand une créature se déplace puis attaque. Ouais. Actuellement, le script lui dit, fais une action. J'attends ce qui se passe. La créature se déplace. Et ensuite, elle dit, j'ai fini de me déplacer. Le timeline lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, elle dit, et il attend la suite. Et là, il dit, elle attaque, ouais. Et ben il attend. Oui, donc en fait, on repasse par le script timeline. On repasse déjà par un timeline, tu vois. Sauf... Dans le fonctionnement actuel. Oui, voilà, mais c'était ça que je voulais être clair. Ben on repassera par la timeline. On va repasser par la timeline. Si on le fait déjà, en fait, pour moi, on ne faisait pas. Donc si c'est pour ça fait. Que je pensais pas le faire, mais si on le fait déjà, on fait pareil. On le fait à cause de... On le fait à cause de ça que je te remontre. Vas-y, mon fils. Ici. On le refait parce que pour l'instant, c'est la timeline qui dit quand le tour est fini. Ah ouais, donc est-ce qu'on a réellement besoin
On pourrait ne pas le faire. Parce que pour moi, je passe mon tour, c'est que mon tour est fini. Ouais. On pourrait ne pas le faire si c'est la créature qui décide elle-même de passer son tour. Bah, Mais pour moi, c'est dans à la ce cas-là, créature de passer son tour. voilà, À et toi de décider. donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'au lieu de faire une boucle, parce que là ça ressemble à une boucle ce que je t'ai montré, hein, au lieu de faire une boucle dans le script timeline, et bah cette boucle-là, il faut la faire dans la créature. Et pour faire une boucle, et bah c'est bien de faire une énumération, comme ça tu gères deux états, soit je suis au début de la boucle, soit je suis en train d'attendre, enfin soit je suis en train de faire autre chose dans la boucle. Et sinon, dans notre script attaque, Je suis en train de réfléchir en même temps. Attends, j'ai 10 points d'action. action, pardon. Non, non, Mais mais imaginons dans ma boue. en fait, c'est concrètement, tu vois, si je déclenche la fonction de contrôle de l'action là, tant que je suis dedans, je peux pas la redéclencher. Ouais, mais tu. Cette fonction de contrôle de l'action. Tu peux pas la déclencher. Ouais, mais attends, ton contrôle action, ta fonction a des. Pour l'instant, t'as rien dedans. On est d'accord. Oui, là pour l'instant c'est du. Non, Voilà. ce que j'ai fait c'était juste un test, il n'y a rien Ouais, dedans. c'est ça. Non, t'as rien dedans encore. Ouais. Donc, est-ce que cette fonction contrôle action, ça peut être celle-ci? Mais ça veut pas dire que c'est celle-là. Attends, remontre, excuse-moi, je regardais pas le bon En écran. fait, ta fonction contrôle action, ça peut être 5-6. Ouais. Mais c'est pas 5 en fait. Alors que nous, c'est cette fonction-là qu'on va réappeler. J'attaque, puis je réappelle cette Ouais, fonction. mais ça revient au Donc même. là, c'est pas là. Comment après tu reviens? En fait, pour moi, c'est un. Enfin. Parce qu'en plus, enfin, il y a un autre souci, je Attends. pense. Attends. Je lance ma fonction. Mon premier if. Non, je lance ma fonction, je calcule mon nombre de points d'action. Au pire. Donc ça c'est une fonction. Ensuite, je fais un test. Donc vrai, faux. Enfin, if, voilà, if, hein, if et ex. If. On dit que c'est une oui, donc au premier if, On passe à une autre fonction. alors on passe à une autre fonction qui va nous renvoyer. Alors ça peut être ça la solution, c'est-à-dire que en fait c'est même pas fort, on n'est pas forcément obligé de faire des if. Faut qu'on voit il est en vrai faux. Mais si, on fait un, en fait on fait des tests, c'est-à-dire que est-ce que ma première valeur, enfin toi, est-ce que j'ai assez de points d'action? Oui ou non? En fait, c'est une fonction, mais Oui, qui mais là je sort une suis. variable, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, oui. Jusque-là. Mais le problème vient de j'attaque puis. Attends, ouais, Parce que j'attaque, j'attaque puis. puis et ou déplacement puis, ça ne renvoie pas des oui ou des non. Alors, attends, on peut le faire à l'inverse, c'est-à-dire que j'attaque, et à la fin de ma fonction d'attaque, je recalcule mon nombre de points d'action. Genre, à la fin de la fonction d'attaque. Je reviens au Toi, tu début. rappelles Ouais. ta fonction qui te permet de calculer ton nombre de points d'action. Et à ce moment-là, tu retombes sur un test oui-non. Et pareil pour le déplacement, tu vois. On va voir. On va essayer. Je. Ouais. On va essayer. Alors, du coup, là, j'appelle ma fonction d'action. Et donc là, est-ce que j'ai assez de points d'action pour faire quoi que ce soit? C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut pas travailler l'inverse? Enfin,
C'est-à-dire qu'on sait qu'on a besoin d'une fonction pour calculer le nombre de points d'action. Ça y est, on l'a déjà. C'est ça. On a besoin de la fonction pour calculer la distance qu'on a du joueur. Parce que c'est ça, en fait. Que c'est la bonne distance, oui ou non. Faut calculer la distance à laquelle on est du joueur. On l'a déjà. Mais tu me l'as dans ton script ou pas? Bah là, c'est ce que je testais en dessous. Ah oui, d'accord, ok. Bon, pour l'instant, on est dans le cas où le joueur est proche. Hein. Enfin, oui, non, mais, dans le cas de l'attaque au corps à corps. Oui, non, mais bien sûr, mais voilà. Ah oui, alors faudra peut-être. Oui, bon, faut modifier plus tard pour avoir. En fait, c'est ce que je voulais faire tout de suite, en fait. Avoir une valeur, tu vois. En fait, là, dans les actions possibles, ouais. Dans notre première fonction hein, d'action possible. Il faut qu'on matche quel type de créature on a. Ouais, donc, mais ça je l'avais dans le coin de ma tête, mais... Pour tout de suite... Pour l'instant, on n'a que des creepers et des squelettes, mais pour tout de suite, avoir des zombies. Et des zombies. Parce qu'après... On a perdu Mickaël. Je pense qu'on a perdu beaucoup de monde. Oui, c'est pas grave. On était sûr de vous perdre. Déjà, nous, on n'est pas très sûr de savoir où on est. Oui, on sait pas où on est, on sait pas où on va, donc... Donc... Parce que là, on a... C'est d'aller on s'en décrit comme ça que je regrette d'être pas en présentiel avec papier de crayon, il y a des fois. Non mais stat, j'ai type, ta. Et après, je fais créature type. Voilà, je fais ça, créature type égale créature type. elle est magnifique cette... c'est pas ouf. Cette ligne. Ouais, bah... Donc ma créature type. Mon créature type. Je lui ai pas donné, ouais, parce qu'il peut être ça. Donc. Bah si, voir créature type. Oui, mais je lui ai pas donné de type. Elle a pas de valeur au départ, elle est nulle. Ouais, bah oui, elle est nulle, ouais. Bah oui, c'est normal. Oui, parce que c'est le script de stats qui l'a défini. C'est ça. Donc. Youp. Donc là, créature type égale créature point. Je fais l'inverse là en fait. Yes. Pour récupérer l'information. Ouais, bah oui. Et ensuite, je fais un match. Que je vais pas me faire suer, je vais faire un petit coup. Coller, hein. Ben c'est juste pour la syntaxe. Ah ben non, ça va pas marcher. Ouais, c'est normal qu'il t'embête en 30 parce que t'es pas indenté correctement. En 30? Ouais. Bah, sur ton match, en fait. Ah, oui, merci. Pardon, excuse-moi. Oui, t'as raison, j'avais tout décalé, mais en fait... voilà, ça passe. Merci beaucoup. Tiens, je veux bien que tu... si ça te gêne pas de repasser en plein écran. Ouais, pas de soucis. Alors... Tu peux juste print, peut-être que plutôt que de faire un past, print creeper et zombie, tu vois, comme ça au moins ça nous permet tout de suite de vérifier que... Ouais, que ça marche. Ouais, tu vois, c'est une truc bête, mais...
Team Rinvest, c'est très marrant parce que j'ai regardé un docu sur Camgot tout à l'heure. Je peux dire juste avant live, mais quasiment. Alors maintenant. Je te dis, fais un print et tu m'enlèves aussitôt. Mais non, mais quelle nouille. Quelle nouille. C'est une erreur de ma part. Parce que je réfléchissais en même temps. Mais tu réfléchissais à ce que tu avais besoin comme... Ah non, pas zombie. En fait... Ah ben non, c'est que les fonctions elles existent pas, c'est pour ça qu'ils m'ont dit. Bah oui, c'est pour ça. Faut que tu les crées, enfin... Ouais. En fait là, je me demande comment gérer en fait, plutôt du type de créature. En fait, plus ça va et plus je me dis, est-ce que c'est pas là qu'on ferait une erreur d'avoir une scène créature unique. Ouais, je pense pas. Non, je pense pas. Par contre, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut la gérer. Peut-être qu'on pourrait dire, en fait, les créatures, elles peuvent être soit attaque au corps à corps, soit attaque à distance, soit les ouais, deux, tu vois. Bah ouais, mais c'est ça, en fait. Le problème, c'est qu'on va pouvoir se retrouver avec des créatures qu'on ait deux possibilités d'attaque. Ouais, mais c'est pas grave. Donc... Parce qu'en fait, j'essaie de trouver un moyen de répondre à ta première question. Est-ce que j'ai assez de points d'action? Et la question, c'est assez de points d'action pour faire quoi? Mais t'as pas. En fait, c'est pour moi, il y a pas besoin de. Ah non, en parce fait, que... oui. Quand j'ai dit, est-ce que j'ai assez de points d'action, c'est en fait, j'aurais pas dû poser la question comme ça. C'est combien j'ai de points d'action? Ah bah oui, mais c'est une autre question. C'est pas la même chose. Ouais, bah oui, non, mais oui, en fait, c'est ça. Ouais, bah oui, mais. Parce que c'est pas une question combien j'ai de points d'action, ça, je te le sors. Ouais, c'est ça. Je le sais. C'est pas une question. Oui. Mais en fait, c'est. Enfin. C'est une question dans le sens où c'est une variable qui évolue. Oui, mais c'est est-ce que mon nombre de points d'action est suffisamment grand pour faire. Ouais, c'est quoi ça. Donc ça revient au même. Ouais, voilà, est-ce que j'ai assez de points d'action? Donc, en fait, c'est que la question pour le creeper et le zombie n'est pas la même. Le creeper, il a besoin de points d'action. Si, en fait, la question est la même. Oui, enfin... La seule variable qui change... C'est pour faire quoi? C'est le quoi qui change? Le zombie et le creeper, ils font pas la même chose. Mais ils attaquent tout... Enfin, ici, ils peuvent faire la même chose, les zombies et les creepers. Oui, enfin, quand je dis zombie et creeper, ça, je devrais dire squelette et creeper. Ah non, et c'est là où... C'est-à-dire que pour moi... Ah oui, purée, ouais, non, je vois le problème qu'il y a. C'est qu'un squelette... En fait, c'est même pas la question à se poser. Bah ouais, purée, mais... Je me prête à dire la question, est-ce que la question à poser, c'est pas est-ce que il me reste des points d'action? En fait, même pas. Parce qu'on a dit plus tôt dans le live qu'on pouvait se retrouver avec des points d'action qui nous restent, mais qu'on sache pas comment faire. Oui. Là, c'est pour moi, c'est une serpent qui se mord la queue. Oui. Alors, est-ce qu'il faudrait pas avoir l'information quelque part de la plus petite attaque enfin, En fait, parce qu'on a besoin de savoir combien de points d'action à l'instant T. On le sait. Enfin oui, non mais...
C'est un Ouroboros, c'est ça. Bon, en fait, là, j'ai créé deux variables, enfin deux fonctions, en me disant on va distinguer l'intelligence du zombie et l'intelligence du creeper. Ah ouais. Bah ou. Parce que le creeper, il a besoin de courir après le joueur. Ouais. On avait défini hein, tout ce qu'il pouvait faire. Je vais Oui, reprendre, hein, non, mais mais c'est pas voilà, ça. il y a un certain nombre de choses de définies, mais Astre Terre. Créatures, elles sont. Type de créature, voilà. Donc le creeper. Il se rapproche du joueur. Donc en En fait, moi, fait. c'est pour ça que plus ça va et plus je me dis. On aurait une scène, mais c'est vrai qu'on n'est pas. Enfin, en gros, un script qui gère les zombies. Donc, déplacement, attaque. Enfin, toi, en gros, Ouais, mais voilà. c'est ce qu'on va arriver. En fait, là, c'est pas qu'on va avoir un script spécial, mais. Ben, en fait, plus ça va et plus je me dis qu'on a. Intérêt à séparer par type de créature et non pas par type d'action, tu vois. Parce qu'on voit bien qu'on n'arrive pas à. Parce que si le premier match qu'on fait c'est un creeper, c'est un zombie, c'est un squelette, ok, c'est un creeper, bon, bah, les autres types de mobs, je me regarde plus du tout, je m'en fous quoi. Oui, mais là, c'est ce qu'on va faire. Après, ce que je pourrais faire. Ah, désolé, bon, bon, ça va, je pense qu'il y a pire. Hein. Après, ce qu'on peut éventuellement imaginer dans notre stat, dans notre truc créature là. On a stats. Ça, c'est commun à toutes les créatures. Bah, c'est commun à toutes les créatures avec, tu vois, parce que c'est vrai qu'on a jusque-là, on partait à se dire, on a une seule créature globale et qu'on choisit le type de On créature choisit les paramètres. en fait, c'est une propriété, enfin, voilà, tu vois, j'ai compris. Je commence à fatiguer, c'est un. Voilà, enfin bref. Une variable qui fait que c'est tel type de créature, quoi. Mais. Quand on a deux, enfin, ça passe, tu vois. Et encore, quand tu commences à avoir 3, 4, 5, 10 types de créatures, enfin, j'exagère, mais tu vois, enfin. Non, on a défini trois de base, on parle des sorcières, on parle des PNJ, parce qu'on avait dit que c'était plus ou moins des créatures, ils pourraient nous attaquer. Tu vois, rien que sur Overworld, on est au moins à 5. Oh bon, largement plus. Enfin, voilà, Non, des méchants, des mais pillageurs, oui. des idées, enfin voilà. Alors, sinon, après, l'autre solution. Parce que, tu vois, rien que nos scripts qu'on a sur les yeux, stats. On a déjà Oui, mais en 20 fait. lignes rien que pour définir Ouais. les stats Mais de en deux fait, créatures. Enfin, si on réfléchit à l'inverse. hein? Si. Si on réfléchit à l'inverse, c'est-à-dire que si on ne crée pas un seul nœud pour toutes les créatures. Imaginons que ça soit ça passe. C'est plus créature, c'est zombie. Voilà. Ça veut dire que, bon, après, quand on crée un creeper, faut tout réécrire tous les scripts qui sont dessus. Alors, oui et non.
Parce que en fait, tu dupliques ta scène, tu récupères tous les scripts qu'il y avait, puis après tu modifies en fonction de ce que t'as besoin. Non mais tu dupliques quand même les scripts. Ouais. Oui, sauf que du coup, si on change un truc dans le script du zombie, par exemple, on s'aperçoit de... On améliore, je ne sais pour quelle raison, hein, on améliore l'algorithme de recherche du joueur de déplacement. Ouais. Bah après, il faut le remodifier dans tous les scripts de toutes les créatures. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire, mais... C'est un exemple, parce que c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais... Non, mais je... Parce que là, quand là, on est sur une vraie question de... Parce que, pour moi, en fait... Parce qu'en fait, d'un côté, c'est plus... Par exemple, sur l'exemple que tu viens de prendre, c'est plus embêtant. Parce que le même bout de code, on va être obligé de modifier dans plusieurs fichiers. Mais d'un autre côté, c'est des fichiers qui vont rester relativement simples en termes de code. Tu vois. Lesquels? On va parler du déplacement. Mmh. Au déplacement, il nous faut pas. Si on parle que du déplacement d'une créature, il nous faut pas. Oui. Il nous faut pas 150 lignes de code, tu vois. Mais clairement, je suis d'accord avec toi. Le script le plus compliqué, c'est celui qu'on a essayé de faire là. C'est Action. Ah, c'est ça, enfin, ouais, non, mais et sur, ouais, donc c'est compliqué, et donc, mais pour moi, si tu veux, dans l'action, même si on parle de creeper et de zombie, déjà l'arbre de logique que tu as essayé de faire, que tu as commencé à faire, il est le même pour toutes les créatures, donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de fonctions. On utilisera quelle que soit la créature. Par exemple, celle pour savoir si on a assez de points d'action ou pas. C'est une fonction identique pour toutes les créatures. Donc ça serait dommage de l'avoir en double. Ouais, enfin, même en quintuple dans tous les types de créatures. Ouais, moi, je t'avouerais qu'il y a un truc qui me gêne. C'est par exemple, quand tu prends stats, ben, avoir de dupliquer, parce que c'est de la duplication dans le même script. Oui, mais après, ça, à la limite. À plus long terme, si tu veux, ce qu'on pourra faire, c'est stocker les stats dans des JSON et simplement faire rappelle-toi ce que nous disait Gnuxidab la semaine dernière, mardi même. C'était pas forcément... Si, il nous parlait de référence. Mais si tu veux, là, pour l'instant, on a que ça comme stats. Ouais, je sais. C'est pas énorme. Mais si on en a plus... On stocke ça dans un JSON et on remplace tout ça par une seule ligne. Et après, on modifie directement notre JSON à côté, si tu veux. C'est pas la même façon de bosser. Oui, mais enfin, on est d'accord qu'avec un JSON, on peut aller récupérer des valeurs qui sont écrites dedans. Ouais, on peut, mais... Il me semble qu'en termes de... De ressources, c'est vachement... En fait, c'est... Tu récupères une fois... en gros, tu récupères quand tu cherches ton jeu et tu mets dedans quand tu décharges, enfin, tu vois, quand tu sauvegardes. Ouais, mais alors là, pour les stats, c'est ça. Ça, on n'y a besoin d'y accéder qu'une seule fois. Ouais, tu aimes bien, ouais. Parce qu'après, c'est les autres scripts qui modifient les stats, mais... Donc ça, si tu veux, ça, pour moi, c'est pas un souci en soi. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais on pourrait tout à fait se faire des petits fichiers de statistiques de créatures... Et juste dire si c'est un creeper, tu vas charger tel fichier. Si c'est un truc, tu vas charger tel fichier. C'est pas. Ouais, je. Et du coup, dans Créature Action, si tu veux, pour moi, là, on va avoir des fonctions. Là, je commençais par creeper et zombie. Mais après, on va avoir une fonction attaque à distance. Et en fait, là, si tu veux, par exemple, je prends l'exemple de l'attaque au corps à corps. Pour l'attaque au corps à corps, on a besoin de savoir éventuellement la portée. Je dis une connerie, mais imaginons, je dis une bêtise. Si la lance, elle peut attaquer à deux cases.
Et encore, je suis même pas sûr. Mais prenons un cas simple, on a une portée que d'une case. On a besoin de savoir le nombre de dégâts que fait cette attaque et combien elle coûte. C'est-à-dire que quel que soit le creep, quel que soit le la créature, on peut régler l'attaque en ayant ces deux informations. Donc en fait, si tu veux, dans ma fonction action, là, à terme, j'imagine qu'on va avoir des fonctions du type... Bon, bah moi c'est bien, j'ai un énorme bug, je sais pas pourquoi, j'ai plus de script qui apparaît, j'adore. Dans Godot? Ouais, parce que j'ai foutu. Pourquoi il me dit que j'ai... What? En rechargeant, ça fait pareil. Ah non, mais je viens de... C'est comme si j'avais aucune scène de... apparente, quoi. Mais t'as rechargé... T'as relancé Godot ou t'as... Bah ouais, j'ai relancé Godot. À partir de quoi? Bah... Godot, quoi. Enfin, je veux dire... tu bosses à partir des fichiers que t'as récupérés de... Bah ouais. Ça marchait jusque là et j'ai pas compris quand d'un coup. Ouais, je sais pas, je sais pas te dire. Erreur, grand C, ah ça y est, j'ai récupéré mon. Enfin, en tout cas, j'ai quelque chose d'apparent maintenant, mais. Alors je ne sais pas, quand je clique sur script, il m'affiche le raid. Alors que pour l'instant, je suis censé rien avoir d'ouvert, quoi, tu vois. Ouais, je sais pas, j'ai un bug. Ah, attends, purée, à tous les coups, je sais pourquoi. C'est que j'ai pas... Ah, attends, il est où? Bingo. J'avais commencé dans les options à regarder comment... Tout à l'heure qu'on discutait, mettre en double écran, oui. Tu vois. En fait, comment activer un éditeur de script externe plutôt que d'utiliser Godot, voilà. Et j'avais coché la case, et après, il fallait chercher le chemin vers le fichier. Sauf que j'ai jamais mis le chemin, parce que j'ai pas trouvé mon chemin vers VS Codium. D'accord. Sauf que, comme il enregistre automatiquement, il m'avait enregistré que je lui demandais de passer par un éditeur externe. Mais sans dire lequel. Mais sans que je dise lequel, donc il me fichait rien. Oh, purée. En fait, je me dis, en fait, on a besoin de savoir le type d'attaque qu'une créature peut faire. Attaque à distance, attaque corps à corps. Ouais, non, mais ça, voilà. Et ensuite, le coût que ça représente à chaque fois. Est-ce que t'en as dit quoi? On avait dit qu'il ferait que des actions à distance et qu'il n'attaquerait pas au corps à corps. Squelette? Mmh. Ouais. Ouais, on avait. En fait, le squelette, on partait sur un comportement qui. En gros, il va pas chercher une cac, il reste dans une certaine distance du joueur et. Une attaque à distance, quoi. Je crois que c'est à peu près ça l'idée. Donc en fait, je regardais les stats. En fait, nos tableaux sont un peu incomplets peut-être. Après, voilà, c'était... Oui, non, mais c'est très bien comme ça, mais... Un début, quoi. C'était un début. Type d'attaque.
Et... C'était la version VS, c'était la 0, c'était la version 0.1. Et c'est ça. Et donc en fait... Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ça me permet de... De les mettre quasiment sur les autres. Ah. Hop. Voilà. Ça se voit que tu bosses pas mal avec... avec des logiciels comme ça en ce moment, parce que tu bosses rapidement. Ouais, ouais. J'essaye. T'es en train dedans. Donc, ça, pour le zombie, là, c'est des stats ouais. qu'on a déjà, si tu veux. Elles sont déjà implantées, là, dans le dos. Par contre, ces stats-là ne le sont pas. Ouais, c'est ces infos-là, on va dire. Ouais. Ces infos-là ne le sont pas. D'ailleurs... Je pense qu'il vaudrait mieux, les faire plutôt dans ce sens-là. D'abord, on a besoin du type d'attaque, le coup. Le coup et le nombre de dégâts. Et les dégâts, ça arrive à la fin. Et pour l'instant, on a fait en sorte, et c'est la solution qu'on va exploiter pour l'instant, avant de faire plus compliqué. Si on réfléchit bien, on a ça, ces trois infos-là, on les a pour nos trois créatures. Donc, ça c'est un tableau. Je te vois arriver avec tes gros sabots. Donc, il suffit de créer un tableau. Yes. Donc, var. Alors, attends, je repasse en deux écrans. Attaque. Stat. Ou attaque info, je sais pas, attaque... Attaque info, peut-être. Attaque info. Ouais, pourquoi? Alors, pourquoi j'ai info? Parce que les stats, c'est vraiment... 2 points égal. On est d'accord que ces infos, ils ne bougent pas. On est un là. Oui, ça sera presque une constante, ouais. Donc c'est pour ça. Enfin, c'est... Ah non, 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 ça va bouger. Enfin, ça va bouger sans bouger, c'est-à-dire que... là, on va faire le match ici. Non, en fait, parce que... est-ce qu'on le fait ici ou on va le faire dans stats en fait? Attends, je me permets de. Juste pour revenir sur le type d'attaque, le coût de l'attaque de base et le nombre de dégâts, ça ne bouge pas. Ce qui peut bouger, et je dis bien le coût de l'attaque de base. Imaginons que. Donc de base il fait 3. Si on a une épée, s'il a une épée enchantée, pour moi c'est un multiplicateur. Ah oui, fait 3 fois. Oui, voilà. Oui, ça... C'est pour ça que pour moi c'est. Les dégâts, pour moi, je. C'est quasiment oui, les dégâts, je voulais simplifier pour l'instant un truc simple. Hein. Bon après, faire un random, c'est pas non, dur. Non, c'est pas dur, mais après des modifications en fonction de l'équipement. Oui, bon, on verra après. Là, en fait, parce là, je simplifie. Parce qu'en vrai, c'est pas dégâts, ce serait équipement qu'il faudrait. Ouais. Bon, peu importe. Enfin, bref. Non, c'est coup d'attaque de base, c'est le nombre de dégâts, et après, t'as les. En fait, il faudrait coup d'attaque de base, bonus multiplicateur. Lié à l'équipement. Voilà, lié à l'équipement et dégâts. Les dégâts sont aussi liés à l'équipement, mais enfin voilà. Bah, ça, c'est des dégâts minimum. C'est ça. Et en fait, il faudrait rajouter dégâts supplémentaires avec l'équipement. Ouais, c'est ça. Donc, par exemple, si on était avec. Alors, tiens, d'ailleurs, c'est une question que je pose parce que ça peut être bien d'y penser tout de suite. C'est est-ce qu'on se dit que. Parce qu'en fait... Le bonus multiplicateur, pour moi, il ne s'applique qu'aux dégâts. Il ne s'applique pas à l'attaque de base. En fait, ce qu'il faudrait... À moins qu'on décide de se dire...
Une à main nue, c'est tant. Avec une épée en bois, le coup de base, c'est tant. Voilà. Puis là, ça commence à être. On verra après ça. je boite en touche. On verra après. Oui, mais clairement. Donc, après, je me pose une question. Là, c'est quand on n'a qu'une seule attaque. Est-ce que si tu bottes en touche, c'est une douche à l'italienne? Non. J'ai pas dit douche. Si. J'ai pas dit que je bottais en douche. Ah, pardon. Donc, le squelette, il a attaque. Je prends l'exemple du squelette parce que j'ai une question après. Vas-y, je t'en prie. Attaque à distance. Coup de l'attaque de base. On avait dit 4. Oui. Dégâts 1 des 4. Ah bah oui, mais forcément, t'es en train de bosser sur le même document que toi, donc je peux pas dire. Hop, donc du coup, ça, j'enlève, supprimer la colonne, hop. Michael a l'air de supposer que t'es pas propre. Bah, je garde. Donc là, je prends l'exemple du squelette, en imaginant qu'il a deux sortes d'attaques. Donc, il... Ah oui. Donc... En fait, je vois ta question. Est-ce qu'on peut mettre un dictionnaire dans un dictionnaire? On est d'accord. Mais même pire que ça, c'est qu'on peut mettre des dictionnaires dans des dictionnaires, on peut mettre des arrêts dans des dictionnaires. Ouais. Parce qu'en fait, là, j'imaginerais voilà. Bien. Faut juste une... En fait, faut juste un. Parce qu'en fait, type d'attaque, tu peux avoir une double réponse. Distance, tac. En fait, j'aimerais bien. Ouais, pour une même clé, tu peux avoir deux variables. Enfin, deux réponses possibles. En fait, je me dis. Bon, j'ai pas mes crochets, donc je vais faire avec des parenthèses. C'est juste plus simple. Attends, je vais repasser en plein écran. Donc. Non, enlève ça, parce que sinon je vais pas. Bah, je te prouve. Attends, je te donne des crochets. Tu prends mon cul. Oui, mais je sais pas ce que je vais en faire. Attends, parce que je sais pas s'il me faut des crochets ou des accolades. Donc. Pour l'instant, laisse-moi mes parenthèses. On changera Pardon. Après. Bien, monsieur. Là, on pourrait avoir 1, 2 points, cac. Tu vois, je fais ça même avec des barres. 4. Je dis des bêtises, hein, mais peu importe. Ah. C'est juste pour illustrer mon propos. Oui. Alors, attends, ton 1, c'est quoi? Ah, ok, je commence à comprendre. Cac, non. Ah non, c'était... Distance. Cac. Oui. 3. 1, D4. Hop. L'idée, ce serait éventuellement de créer non. Pour chaque créature... En fonction du type de créature, un dictionnaire de ses possibilités. Pour le zombie et le creeper, ce dictionnaire n'aurait qu'un seul, une ouais. Seule entrée à l'intérieur, ouais, bah oui. Avec une seule attaque. Et dans cette attaque, on aurait la distance, le, ou alors on aurait carrément le type. On aurait par exemple zombie. Attaque ou mêlée attaque de base parce que c'est le c'est l'attaque de base mêlée attaque regarde basique mêlée attaque et ah bah je me suis trompé c'était l'inverse que j'avais fait On va plutôt faire comme ça. Et basique. Range attack. Distance attack. Distance. Ouais. Et donc en fait, déjà, grâce à ça, en fonction de la taille du dictionnaire, on pourrait savoir combien cette créature dispose d'actions. À vérifier. Toujours dans l'optique de savoir est-ce qu'on ah a oui, assez fonction, de ouais, points oui, c'est d'action pour, ça, pour ouais. Faire quelque chose.
Ok, ouais, en fait, d'où 1, 2, 3 au début pour incrémenter au fur et à mesure. En fait. Voilà, exactement. Et comme okay. ça, nous, on check la taille du bidule. Ouais, mais alors, dans ce cas-là, on s'embête pas. Si tu veux avoir besoin... pourquoi s'embêter avec un dictionnaire avec 1, 2, ça se trouve, etc. on fait juste un arrêt. Tu fais un arrêt, t'as directement ta réponse, puisque ouais. dans un arrêt, ton nombre de... De clés, c'est de le... Clés, ouais. c'est ton... Et nos clés, ça pourrait être simplement le nom des attaques, et tu vois, des attaques vraiment clairement définies. Ouais. Et après, comme ça, tu vois, là, par exemple, basic distance, enfin, basic melee attaque, hein bah là, clairement, c'est la même pour toutes les créatures qui ont des attaques au corps à corps. Ouais. Ouais. Éventuellement avec un multiplicateur si tu veux. Qu'on va... Oui, non, mais c'est je sais que je. Oui, alors c'est en principe, oui. Après, c'est que je vois pas où tu vas en venir en fait derrière. D'accord. Je repasse sur mon script. Créature action. J'ai raté une info. Non, non, mais c'est là en fait. En fait, j'aurais peut-être même pas besoin du match. Donc, en fait, au moment où on génère la créature, donc, toujours avec l'onglet stats. On génère ce tableau, enfin ce, oui ce tableau, c'est un tableau, on est d'accord là. J'attends, arrêt c'est tableau. Donc on génère cet arrêt avec le panel d'action que peut faire cette créature. Ouais, et le, là... le panel d'attaque que peut faire cette créature. Oui, le panel, oui. Ah, oui, alors oui, d'attaque, ouais, d'attaque, non, d'attaque, mais d'attaque, justement, je... non, non, parce que qu'on soit bien d'accord, parce oui, oui, que... Oui, il a raison, oui, d'attaque. Pour dans l'anglais d'action, il n'y a pas qu'attaque. Oui, oui, mais là, on va checker que les attaques pour l'instant. Pour l'instant, on check que les attaques, d'accord. Et donc, ensuite, ici, dans notre script où on vérifie les actions. Mmh. On vérifie si. Si on peut faire ces actions. Au même point. Aïe, aïe, aïe. Non, la différence. La différence, c'est que là, on vérifie la même chose pour toutes les créatures. C'est ça que je veux. Le point auquel je veux arriver. C'est-à-dire que là, mon exemple. Ouais, en gros, t'as une seule fonction qui te permet de checker. Et Là, j'ai fait. L'arrêt pour le squelette en imaginant que le squelette ait deux actions possibles, mais si je fais pour le zombie il aura que ça. Donc là, c'est un, ouais. imaginons, ça c'est un squelette, ouais. ça c'est un zombie, et, oui, et le creeper, bon lui, le creeper il va avoir une attaque spéciale, enfin le creeper il va avoir une action. Non, son attaque c'est toujours une attaque en melee. Non, non, non. Pas du tout. Le creeper, c'est une explosion. Ah ouais, rappelle-toi, le creeper, son action, elle coûte 0 oui. et zéro elle inflige pas de dégâts tout de suite. Non, ouais. Le creeper, il a une attaque rien pour lui. Attaque, ouais, bah oui. Ah oui, non, on a dit que c'était une attaque d'explosion, donc pas forcément que pour lui. Mais... Oui, mais dans l'idée, c'est presque que pour lui. Mais par contre, basique melee attaque. Ça pourra être pour toutes les créatures qui ont une attaque de mêlée basique. Hein. Ouais, c'est ça, oui. Que ce soit un zombie, un PNJ. Hein. Voilà, exactement. Pillager. Voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est. Je vois ce que tu veux dire. En fait, pour moi, au départ, tu partais dans un dictionnaire. Pour moi, le dictionnaire que tu allais me proposer. Pour moi, c'est qu'on incorporait tout ça, en fait. Oui. Alors, en fait, là, je suis reparti sur un truc plus simple en me disant que Basic Melee Attack, ça correspondra à ce que j'avais évoqué il y a quelque temps, une sorte de dictionnaire des actions possibles, des attaques possibles. Ouais. Et dans lequel on irait piocher. Ouais. Un script global, j'avais parlé un script ouais, global... Non. Qui permettrait de savoir toutes les infos sur chaque type de sort, chaque type d'attaque, etc.
Ah, je... Voilà. C'est... C'est compliqué là ce qu'on essaye de faire. Ah, c'est compliqué, et puis c'est vrai que... Voilà, et puis les minuit, c'est peut-être le moment. Oui, il y a ça aussi, mais... Non, puis c'est surtout, c'est des... Puis je pense qu'on est l'un comme l'autre à se dire... entre guillemets, on a deux voies possibles devant nous, quoi. On sait qu'on va emprunter une voie, mais qu'on... Enfin, qu'on... et qu'on la subisse pour un bout de temps, donc... Ah oui, là, oui, c'est lourd de conséquences. Donc c'est pour ça que... Voilà, Ça, je le verrai. et on est... Et on est... Et c'est peut-être aussi là que c'est compliqué de bosser que à deux, entre guillemets. C'est que moi, j'aurais... Je serais plus sur une voie, toi plus sur une autre, et donc... Et donc, bah forcément, comme on est qu'à deux, bah, bon... Même si on sait l'un et l'autre faire les concessions... Et qu'on a, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas d'idée, l'un comme l'autre, de se dire quelle voie est la meilleure, quoi. Ah, moi, je dirais que je pense que la Mais solution toi... de poursuivre dans la solution actuelle d'un seul Voilà. D'un d'essayer seul... De tout grouper. de tout grouper, je pense que c'est mieux, même si je dis pas que c'est simple. Ouais. Il y a quatre, vous auriez quatre propositions différentes. Ah mais sûrement, mais sauf que t'es à 4... Enfin déjà qu'à 3, à 3 on aurait une troisième, on a peut-être une troisième possibilité, mais t'es à 3, t'es plus à... T'es plus à... Tu peux te retrouver dans une situation à deux con... entre guillemets à deux contraintes. Bon, de toute façon, là, ce que je viens d'imaginer, là, quelle que soit la façon dont on fait la suite, à partir du moment où faudra le déterminer, ça, de toute façon. Oui, non, mais après il y aura. Voilà. Mais pareil, moi, enfin, toi, moi je sais que dans ma façon, moi, comme je réfléchirais, toi, là, je vois les stats, je suis sur le script de créature stats. Avoir un script qui fait 50 lignes, bon, allez, 47 si je suis honnête. Avec de répéter dedans deux fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes, ben, je trouve pas ça logique, tu vois quoi. Oui, mais encore une fois, ça, si on exporte les stats des créatures ailleurs, Ouais, oui, bah oui, non, mais on oui. le fait une fois pour. Ouais, une fois, ouais. Ouais, sauf que tu ne fais une fois, mais faux. Bah, faut créer plusieurs petits fichiers. C'est ça, et Oui, mais ce qui revient au même que de créer plus. Enfin, ça revient pas au même d'ailleurs. C'est encore pire quand tu crées des créatures différentes. Enfin, tu vois, des scènes différentes pour chaque créature. ouais. Ouais, sauf que t'as en fait, comme je disais, imaginons la scène créature, que ça soit plus créature, ça soit zombie. Sauf que tu sais que ton zombie, bah dans le stade, t'as toutes les stats de ton zombie, dans l'inventaire, t'as la gestion de l'inventaire du zombie, dans l'attaque, t'as l'attaque du zombie, dans la défense, t'as la défense du zombie. Non. Ouais, sauf que. Et idem pour Creeper, idem pour. Et donc tu veux modifier, tu te dis, tiens, j'ai un problème de déplacement de ou de gestion d'inventaire du zombie, bah tu vas chercher le zombie, son inventaire, boum. Tu vas pas chercher le script inventaire à part. Dans le script inventaire, attends, c'est une zombie, comment on gère déjà? Enfin, tu vois. Je sais, pour moi, en termes de praticité derrière, je trouve ça plus pratique de bosser comme ça que d'avoir des scripts. Des scripts qui vont, ou certes, qui vont servir à plusieurs endroits, mais qui. Et c'est déjà un peu le cas. Tout d'un coup, on se dit, mais attends, ce script-là, qui sait, enfin,
cette fonction de ce script, qui c'est qui l'appelle? Parce qu'en fait, c'est un autre script qui l'appelle. Alors, je sais que c'est une remise en question un peu de comment on bosse actuellement, mais... Moi, ce qui m'embête, c'est vraiment que... Si, imaginons qu'on scinde la créature, on fait zombie creeper des deux côtés. Le problème, c'est que on va se retrouver à faire plein de modifs pour le zombie qui nous serviront plus tard pour le creeper, et puis donc on va faire des copier-coller dans tous les sens, et puis après quand on va faire un squelette, on va se rendre compte qu'on a besoin de bouts de code qui sont dans le creeper, donc on va les rajouter dans le squelette, mais on les aura pas rajoutés dans le zombie. Enfin, tu vois, ça sera ouais, mais... et quand on aura 50 créatures, on se retrouvera avec 50 scènes différentes, t'en auras pas une seule pareille. Ouais, mais si elles sont... Et du coup, non. Alors justement, c'est peut-être là qu'il faudra qu'on fasse... qu'on soit rigoureux, c'est que... en fait, si, on peut avoir 50 scènes avec, qui soient exactement ordonnées pareilles, tu vois. Oui, et donc si elles sont ordonnées pareilles, pourquoi en faire des différentes? Mais parce que... comme je disais il y a 3 minutes. Et toi, tu parles en termes de nœuds. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Mais si, parce que les scripts, ils seront ton script stat, même si tu as. Alors, peut-être. Peut-être que. Alors, c'est peut-être ça qui parlait l'autre jour. Inoxydable, je vais y arriver. Peut-être que justement t'as cette histoire de... J'ai perdu le nom de... Zut! Aide-moi, Oran. De référence, ouais. Je vois si c'est ça. Mais oui, bien sûr, oui, l'héritage c'est très important dans Godot. Alors, faire une classe... Ah ouais, hériter... Après, tu vois, là, on a la créature. Ouais. On pourrait choisir le type. Et en fonction du type, ça nous mettrait un nœud enfant. Stats. Qui aurait juste les stats du creeper. Ou juste les stats du zombie. Mais ça nous réglerait pas notre problème pour... après, il faudrait faire un script juste pour les actions du creeper. Donc en fait, on se retrouverait... Ouais, non mais... En fait, on se retrouverait à charger une scène. Scène zombie, scène creeper. En fait, on garderait... On garderait notre nœud créature, mais dynamiquement on chargerait une scène creeper, une scène zombie. Ouais. Ça serait juste pour quoi? Juste pour les stats, pour l'action, pour la défense? Pour le mouvement, pour l'exploration. l'inventaire à la limite non. L'inventaire ça pourrait être ça. Et encore, est-ce que justement on a marqué créature? Parce qu'on a dit que les PNJ ça pouvait être. Ouais, c'est oui, et puis même les créatures peuvent avoir un inventaire. Ouais. Ouais, c'est pas... Purée. Et dans ce cas-là...
Vraiment, faut voir qu'on se prévoie ce live avec Ribi là, pour pouvoir avoir un avis. Parce que là, en fait, on aurait un souci après pour accéder au nœud, non? Parce que, admettons, tu vois, c'est ça que je ne sais pas. Admettons qu'on. Tu vois, imaginons que ces nœuds de contrôle, là, stat, inventaire, hein, action, défense, mouvement, exploration, on les regroupe dans une scène qui s'appelle genre Creeper. Ou zombie. Ouais. On prend notre créature, on check si c'est un zombie, un creeper ou un machin, et en fonction de son type, on charge en scène enfant, en creeper. Et quand je veux accéder à stats, inventaire, etc., le chemin c'est creeper, enfin c'est créature, creeper, et après stats. Ouais, mais dans mon script créature là. Comment je sais que je vais mettre Creeper? Bah parce que tu sais, quand t'as créé ton... Quand t'as créé ton chemin... Quand t'as créé... Au départ, quand tu crées ton... Tu crées un bout de chemin et après j'ajoute... En fait, tu crées... En fait, tu... comment dire? Tu lui dis... Enfin, tu sais que c'est... Tu sais que tu crées un Creeper. Tu le sais. Parce mais que je veux pas déclarer mes variables. Après, moi, non, moi je l'ai fait vois, là... pour les coffres, hein, mais. En fait, là, regarde, mes variables. Vas-y. Défense. Pour accéder au nœud défense, je mets dièse défense. Ouais. Ok, c'est facile. Dollar défense. Dollar défense, que je me dis, attends. Ouais, c'est facile. Hein. Oui, parce que tu vas chercher une autre défense parce que. Mais tu vois, anticipe, si je suis obligé de mettre creeper défense, bah j'ai un problème parce que je sais. Ça marchera que si j'ai un creeper. Si j'ai un zombie, il faut que je mette zombie défense. Alors, est-ce que tu peux faire un. Alors attends, il nous faudrait un nœud. Donc après, il faut que je fasse. Attends. Est-ce que tu peux faire un test? Alors, c'est un test tout bête. On va tester... alors, attends, comment on peut tester ça? Je serais curieux de savoir si, par exemple, si on va chercher... Ah oui, non, attends, purée. Parce qu'en fait, j'étais en train de me dire, si on va chercher une sprite, tu vois, le sprite qui est en dessous du passe-fogodonné, là. J'étais en train de me dire, si on... Oui, ça est facile à trouver, hein. Ouais, mais il est facile à trouver parce que tu connais le passe-fogo 2D, tu connais le générique ennemi, tu vois. Mais je suis en train de me dire, si on dit que le passe-fogo 2D, c'est une variable, est-ce que ça... Est-ce que, je sais pas si on arrivera à matcher, tu vois... Après, est-ce qu'on peut chercher un nœud? Après, on peut chercher un nœud? Oui, on peut chercher un nœud dans un... Par exemple... Je sais plus comment, mais on peut. Je sais, enfin, voilà. Le game board, il le fait. Avec GetChild. Ouais, c'est ça. Mais t'as encore d'autres moyens. Hein. T'as encore d'autres moyens de chercher, en fait. Attends, c'est où? Là. En fait, on cherche les nœuds comme ça. Ouais, c'est ça. For Child in Get Children. Ouais, c'est ça, en fait. En fait, tu cherches... Quoi de Child, d'ailleurs? Là, on cherche un enfant. Ouais. Et on cherche les player units. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que tu peux chercher une référence particulière, tu vois. Bah, on peut chercher des nœuds contrôle. Semble... Ouais, c'est ça, ouais. Après, on peut créer un nœud... On peut créer un nœud... On peut créer notre propre nœud et l'appeler... Tat. Facilite la recherche. Ouais. Mais... Bon, ça résout pas notre problème, mais... En fait, moi, plus... Enfin, moi, il y a un truc qui me... paraît déjà. Hein. Mais je trouve que plus ça va, et plus on a des scripts qui prennent du poids, entre guillemets, tu vois, quoi. Qui grossissent. Et je me dis, au début, quoi.
Ouais, ils grossissent, mais en même temps, justement, on les allège là. Ouais. Ouais, on les allège. Oui, tu mets, on les allège. Mais ouais, mais putain. Sauf. Ah oui, bon, je reviens toujours à la même chose parce que c'est ce que j'ai sous les yeux, mais c'est pas le bon exemple. Après, Voilà. là, il y a un truc que je peux alléger. Voilà, déjà. Ici, ça, c'est ce qui est commun à toutes les créatures. Ah oui. Je viens de gagner 2 lignes. Une. Mais non, mais deux, tu as fait deux fois un. Oui, mais j'ai rajouté une ligne, donc. Ah mince, j'avais pas vu. J'avais pas vu que tu m'aurais rien dit, je te. Bah, cette ligne-là, en fait, je l'avais deux fois. Donc je l'ai mise commune aux deux types Ah de oui, d'accord. créatures. Ah, ok, ouais. Parce que tu vois, ce que je viens de faire, ça a quand même un avantage. C'est-à-dire que là, imaginons qu'on ait besoin de rajouter une stat sur une créature. Bah, je la rajoute là et je fais des copier-coller, je la rajoute pour toutes les créatures, sans avoir besoin de changer de Mais scène. oui, de script, mais tu vois, tu fais enfin. J'ai tous mes types de créatures les uns sous les autres. Après, j'ai juste besoin de faire une recherche. Alors attends, parce que. Alors, est-ce que c'est pas moi qu'on. Parce que je suis en train de me dire. Ah ouais, non, c'est des stats. Tu matches. Non, tu matches ton type de créature. Ouais. Parce que attends, point action point, c'était quoi? C'est des variables à chaque fois? Oui, c'est des variables. C'est juste des Alors, variables. est-ce que. Alors. Il n'y a aucune Est-ce fonction, là, que il y a juste c'est. des variables. Ouais, non, mais oui, mais est-ce que c'est pas Random là qu'on pourrait changer le type de stockage, passer ces variables sous forme de dictionnaire? C'est-à-dire qu'on a un dictionnaire, on a action point, index action point, action range, damage, max hex, type, enfin, toi, toutes les. Et, c'est le même dictionnaire pour toutes les créatures, on est d'accord. Donc. Après. C'est plus compliqué d'y accéder qu'à des variables, hein, franchement. Moi je trouve pas, mais après, question d'habitude, Ouais, je pense, peut-être. mais. Plus compliqué. Moi, ça me gêne pas d'avoir une Après, comme on énumération est. comme ça. Ouais, Elle mais est comme matchée on qu'une disait, seule fois au ces lieu de la stats, on n'a faire. pas besoin d'y accéder à chaque fois. Ah non, on le fait une seule fois et c'est fini après. C'est ça, voilà, ouais. Après, on les modifie, etc. Mais ça, ce Mais match-là, on le il se modifie fait dans une les seule fois. scripts. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais je. Ouais, bon. Je crois qu'on va mettre le cerveau sur off et puis. On en repart mardi, oui, encore. Je sais pas. Je sais pas encore. Ah, Je d'accord. sais pas. J'ai pas Peut-être un doute. mardi, oui. J'en sais. Attends. Je sais pas. Faut que je réfléchisse au planning la semaine prochaine. Est-ce Oui, qu'il non, va je te être oui. chamboulé? Non, Oui, je bah crois oui, que non. puisque. Oui, parce que FTP, donc. Il FTP, faut ça gagner. commence Voilà. samedi. Donc, du coup, je ne sais Ouais. plus comment je fais pour décaler, bouger les trucs. Donc, je verrai Oui, ça. en gros, tu veux. Si t'as FTP, Enfin, je pourrais pas tout faire, mais en fait, déjà, Humankind, OmniCube, il y aura qu'une seule fois AstroTerre pour Diff, l'instant. AstroTerre, ça te fait 5, 5, ça te fait 5 lives différents, tu vois. Il y aura qu'une seule fois AstroTerre. Sur 6 jours.
voilà, Sock Doubron, c'est Wikib, quoi. À moins que ça soit FTP. De quoi? Je dis en Doubron, si t'as FTP, Oricube, Diff, ouais. Astroterre et Humankind. La semaine prochaine, il est clair que pour le lancement, c'est le samedi, il y aura FTP samedi et dimanche. Ouais, déjà. Déjà. Et après, je sais. Ça veut dire que Humankind fonctionne un autre soir dans la semaine. Bah non, Humankind, c'était un jeudi. Ouais, c'était un jeudi, ouais. Non, ouais, c'est non, KSP. Ah, c'était KSP. Ah ouais, bah toi, bah, t'es à 6 jours, bah, c'est bon, t'en prends une drive. Non, mais t'inquiète, je débrouillerai de toute façon, ça, je vais y réfléchir. Ça y est, t'as 6 jours. T'as 6 jours sur 7, 6 drives. Ça sera aussi casse-tête que ce script. 6 jeux différents, entre guillemets, parce que t'as du Minecraft 2 fois, mais 3 fois. Mais 6 jeux, 6 jours de live sur 7, ça y est, t'as ton coding de fait, cherche pas. Hein. Ouais. Ouais, non, c'est l'enfer. C'est pour ça que j'étais d'accord avec la proposition de Charivari d'avoir 15 jours dans la semaine. 15 jours de. Ouais, c'est ça, ouais. Mais 5 jours de travail, par contre. Bon. Et payer 5 jours, mais payer sur 15 jours, tant qu'à faire. Ouais, payer double. Payer double, ouais. Ou très cher. En fait, ouais, non, mais c'est cette histoire d'héritage qu'on maîtrise mal qui pourrait peut-être nous sauver la mise. Bah, d'héritage ou de. Comme. De jour de. Référence. De référence, peut-être, ouais. Mais. Parce que là, techniquement, on a déjà des héritages. On accède aux nœuds enfants. Et on a des héritages dans des héritages. Créature info, c'est aussi hérité. Donc effectivement, si on crée un héritage modulable, creeper, avec les mêmes types de nœuds. Franchement, je sais vraiment, je sais pas si. Et après, je suis pas sûr qu'on ait tant d'actions différentes que ça, en fait. C'est-à-dire que oui, je suis d'accord qu'on aura pas mal de types de créatures. Mais j'ai l'impression qu'on pourra assez facilement rationaliser le nombre d'actions. Enfin, le type d'action. Ouais. Mais après, c'est vrai que ta façon de voir, de pouvoir avoir. Parce que. Enfin, tu vois, de réutiliser les mêmes formules, enfin les mêmes fonctions pour plusieurs trucs, je trouve ça bien aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis. Parce qu'après, je suis quasiment sûr qu'en faisant des nœuds différents pour les creepers, les zombies, je suis sûr qu'on va devoir faire plusieurs fois les mêmes fonctions. On pourra pas. Ouais, non, mais. Je mais je sais qu'on va être amené à faire plusieurs fois les mêmes fonctions, mais je me. Mais ça m'embête. Mais voilà, enfin, en fait, c'est là où je suis un peu en mode. J'en sais rien, en fait, c'est. Je me dis, est-ce que c'est plus simple, en maintenant, à maintenir derrière, d'avoir. Tu sais que ton nœud de pour ta créature zombie, ton nœud action, il gère toutes les actions. Et pareil pour le creeper, donc tu sais que ce que t'as ton. Tu sais que ça gère qu'un creeper. Donc quand tu fais une modif
certes, tu ne l'as fait que pour être Reaper, si tu as envie de faire la même pour aux zombies, il faut que tu refasses un copier-coller. Mais si, pour une raison ou une autre, on veut faire une modif sur le déplacement que du Creeper, eh bien, un petit raid. Merci. Merci beaucoup, Bastien. Re 4 pour le raid. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Salut Zorazul. Salut Bastien. Bonsoir, Bastien. Vous arrivez sur la fin d'un stream où on n'aura pas avancé. Oui, voilà, c'est... Enfin, je suis... En fait, ouais, c'est ce que dit Charimari, tout le monde va se déplacer de la même façon. La seule différence, c'est quelle case on va vouloir atteindre. Mmh. Et bah, bonne nuit à toi, Bastien. Bonne nuit, Bastien. Merci pour le raid. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à rationaliser du côté de ça. Il y a quelques paramètres qui changent, mais pour moi, ces paramètres, on peut les définir au départ et après, on agit de la même façon. Bon, là, de toute façon, il est trop tard pour avancer. Ouais, mais... non, ouais, faut mais, faut, je pense que je vais quand même tenter de persister un peu plus sur cette façon de faire là. Parce que de toute façon, pour l'instant, on n'est que sur deux créatures. Donc, c'est ça. Globalement, c'est pas grave si on doit refaire des choses. Mais avec ce qu'on a commencé à faire ce soir qui ne marche pas. Enfin, on n'a rien fait, mais je veux dire. Le début du début de ce qu'on a fait, ouais. Je pense que on peut quand même améliorer un peu le système de combat tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire que là le creeper et les zombies agissent de la même façon. Et j'aimerais bien voir si avec ce système là on peut, sans trop avoir de redondance, enfin sans, ou au contraire en ayant le plus de redondance possible, arriver à distinguer le comportement du zombie et du creeper, mais en utilisant un maximum de fonctions communes. Et si on y arrive assez bien sur deux attaques assez distinctes, genre explosion du creeper et attaque au corps à corps du zombie, c'est quand même pas du tout le même comportement. Du tout. À voir après si on peut rajouter le squelette. Et après, je pense que si on y arrive pour ces trois là sans que ce soit trop chiant, on verra. Si sauf au contraire on s'aperçoit pour moi, que c'est trop chiant. Que c'est vraiment incompatible comme IA, et bah là on passera sur des choses très différentes. Là comme ça, pour moi je trouve qu'il y a vachement de différence entre, ne serait-ce que sur le déplacement et l'attaque, il y a vachement de différence entre un squelette. Alors, certes, ils vont utiliser les mêmes... En fait, tu vois la fonction là, is target is an adjacent self from fighter. Est-ce que la cible est sur une case adjacente du combattant? On peut facilement la transformer, je pense. Je suis pas si sûr que ça parce que. Pour savoir si la cible est à portée du fighter. Ouais, mais c'est pas une qu'on avait fait que on testait les 6 cases autour de. Non ? Si, c'est peut-être ça. Game board, je crois que c'est ça. Stargate, ouais, bah, elle est très bien ça. Non, c'est plus simple que ça. Elle est très très facile cette fonction. D'accord, ok. Je revoyais une fonction. Non, la fonction qui est plus longue, c'est adjacent cell from target. Pour trouver une case adjacente à la cible. Mais la case pour savoir si... Non, elle est très simple la fonction pour savoir si le joueur est sur une case adjacente. Ok, ok. Ouais, mais en fait, moi, c'est ce que t'as en 472, là, que donc je en fait, en tête. Tu vois, en fait, là, pour savoir si la cible est à portée... Ouais. Au lieu de tester si la distance est inférieure à 2, là, on est en variable la portée de l'attaque. Ouais, bah, donc, si c'est une attaque à distance, bah, on met 4.
Ouais, bah oui. Et au lieu de tester sur 2, on teste 4. On met une variable. Ouais, bah oui. Et si la portée de l'attaque c'est corps à corps, on met 2. Donc tu vois, cette fonction-là, à mon avis, elle est très simple à adapter. Ouais, donc c'est bon, un enfin, exemple de fonction qui peut servir pour plein de créatures, juste avec des variables en fait. Bon, en même temps, c'est pas un très bon exemple parce que cette fonction-là, elle est sur le game board. Donc elle pourrait très facilement. Mais tu vois, enfin. Oui, mais par contre. Enfin, si, c'est un bon exemple parce que je l'appelle depuis créature à action. Ouais, mais. Pour n'importe quelle créature, il suffit que je lui mette la case du joueur, la case de la créature, et là, à la limite, je lui renvoie la portée. La portée ouais, de l'attaque que je veux faire. Oui, tu envoies trois arguments. J'envoie trois arguments, et c'est les mêmes pour savoir si on peut attaquer ou pas. Et si on a une créature au corps à corps, ça voudra dire on peut attaquer au corps à corps, et si on attaque à distance, ça veut dire on peut attaquer à distance. La suite au prochain épisode, comme on dit. Ouais, ouais. En fait, ce qui me. Il faudrait que j'aie du temps pour y réfléchir à tête reposée. Mais. J'aurai pas le temps. Donc, on verra ça au prochain stream, je pense. Même si c'est pas forcément le plus. Et je pense que. Ouais, je pense qu'au prochain stream, on va quand même. Je vais essayer de continuer ça. Oui. Dans cet esprit-là. Mais en gardant bien dans un coin de la tête que c'est peut-être pas la bonne méthode. De toute façon, il n'y a qu'en essayant que on saura. Bah oui, de toute façon. Mais hein. Alors par faut contre. Faut tenter quoi. Donc là j'ai fait. Ta. Juste voir si le jeu se lance. J'aimerais bien que le jeu se lance. Qu'on ait rien cassé. Enfin, que je n'ai rien cassé. Donc je peux tuer ce creeper, cool. Et je peux... Non, j'ai plus de action. Oh. Ouais, t'as pas dû changer d'écran, je pense. Ah oui. Et voilà, j'ai gagné le comp. Pourquoi je peux pas me déplacer? Il y a un bug quand même. C'est bizarre là, tu vois, il y a un fin du game, et pourtant je peux pas me déplacer. Ah! Bon, il y a un bug. Passe ton tour! Il y a un gros bug. Un bug, ah zut. Ah oui, c'est le zombie s'est déplacé. Il est en train. Ouais, bah ouais, tu vois, game over. Bon, je ne sais pas. On a créé les bugs qu'on avait pour. C'est bien ça? Non, on savait pas. Moi, ils avaient pas, il y a 3 lives, quoi, il y a 2 lives, quoi. Je sais pas. Bah non, parce que. Ouais, non, mais je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je crois pas. Mm-mm. Oui, effectivement. Là, c'est. Oh. Qu'est-ce que j'ai créé comme bug? Je sais pas, et puis je t'avouerai qu'on devait pas aller chercher ce temps-là. C'est peut-être dans la timeline, parce que c'est ça que j'ai modifié et qui peut avoir un impact. Au pire, de toute façon, on revient... attends, je te dis ça, mais je peux vérifier. Je peux revenir auprès... Juste après une push. Oui, non, mais je vais pas. Je pense que c'est pas grand chose. Je sais pas ce que c'est, mais. Alors attends, ça bug quand tu. Bon, c'est la fin. Je sais pas pourquoi. La fin de combat qui bug. Ouais. Donc c'est, je passe en combat. C'est bien, moi je. Et donc T, je passe au tour. Ah, regarde ce que ça fait en fait. Ouais, dis-moi. Les warnings ignorent. Ah, c'est ce ça. Ce sont qui des m'a... commentaires. Ah oui,
D'accord. Oui, exact. Maintenant, ça me revient. Eh bien, je savais je pas. Le savais. En... Mais c'est. Je l'ai su en, en revoyant. Je me suis fait. Ah, que je me dis. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, mais cher. J'ai le. Donc, c'est ce que t'as fait avant de toucher que t'as eu un. T'as fait un truc. Ah, il y a le même bug. Ouais, j'ai le même bug. Bon, bah comme ça, c'est pas ce que j'ai modifié ce soir. C'est exactement le même bug. Hop, et moi je... Et je peux vérifier... je sais plus exactement à quoi il correspond, bizarre, ça, mais j'ai la version de la semaine dernière. Ouais, on n'avait pas ce bug avant. Attends... J'ai une version, alors je sais plus exactement à quoi ça correspond, mais j'ai une de A, donc Ah, je sais peut-être. Merde, je suis bête, moi. Ah bah non, je ne sais pas. Oui, ça faisait pas du tout ça avant, bon. Bon, bah, ça fait partie d'un bug qui sera corrigé. Je vais me faire. Bon, ce soir, on aura quand même un peu débugué. On aura enlevé non, le et truc du débugueur. Ça vient de ce... Parce que la version que j'ai, moi... On... 21-32A, donc la version de la semaine dernière, fonctionne parfaitement. Sur le combat, en tout cas. Mmh. Puisque ça sort même automatiquement du mode combat pour repasser en mode exploration libre à l'issue du combat. Donc, Oui, c'est ce qui était prévu, normalement. Bon, par contre, j'ai les étiquettes qui restent apparentes, j'ai une carré qui reste apparent, j'ai tout ça. Je sais plus où on en était sorti... Si on avait fixé ça ou pas, mais... Ouais, bon, bah ça fait partie des choses qu'il faudra vérifier. C'est ça. Bon, et bah du coup, on va s'arrêter là pour ça. Ah, je gosson. Comment? Je dis je gosson. Parce que... Ah bah oui, oui, comme oui j'ai... Bah oui, comme c'est la vieille version, il y a gosson. Ça fait surprise. Du coup, merci à tous ceux qui ont eu le courage de rester. C'était très compliqué ce soir de rester. Merci Mimich. Hein. Et hein on a peu avancé. Oh, mais pas, bon, je sais pas si tu dois me dire merci ce soir parce que j'ai pas été. Si, il faut en passer par là pour après améliorer tout le truc. Donc bon, on espère qu'on sera un peu plus productif la prochaine fois. On est quel jour? On est vendredi, donc demain on est samedi, donc demain c'est Holycube. Je dis pas de bêtises. C'est ça. Je dois avoir le planning. Non, j'ai pas le planning là-dessus. Okay. Non, tu n'as pas mis hier soir, tu m'as pas écouté. Non, et puis de toute façon, j'ai plus de place sur mon. Pas hier. J'ai plus de place sur mon. Bref, sur mon stream deck pour remettre le planning. Ah pour. Non, mais t'as pas la scène surtout. Si, je crois que je l'ai, attends. Je suis pas sûr. Ah non, je vais pas. Non, pas. Parce que. Mais bon, de toute façon. Quand tu préparais Humankind, on s'est vite fait en vocal et tu m'as dit, ouais, c'est de la flemme de recharger la scène AstroTerre pour les mettre au planning. Donc, Oui, mais c'est. Oui, c'est vrai. Mais regarde, je vais la rajouter. Hop. Non, mais je sais plus, ça se fait en 2 secondes. Faut juste que je sache où je l'ai rangé. Bon, c'est bien rangé. Donc c'est là. Hop. Hop. Voilà. Oh là là. Ah bah non. Ah bah de toute façon, non, mais c'est très bien. 404, c'est une erreur, cherchez pas. Merci beaucoup, Pierre, mais. Oula. 404. Donc juste pour afficher le planning, voilà. Donc demain c'est du Holycube. Et salut, bienvenue à tous. Ah là là là. Bon, bienvenue. Je vous montre ce qu'on n'a pas fait ce soir, parce que ce soir on a galéré, mais. Ouais. Merci Mimi. De rien. Mais les amis, c'était la fin. Et oui, c'est la fin. Regardez, pour tous ceux qui découvrent notre projet avec Mimiche,
ont créé un jeu de rôle 2D inspiré par Minecraft. Le but, c'est d'en faire un jeu de rôle tactique, donc avec des combats au tour par tour, avec la possibilité donc que les creepers nous attaquent. Pour l'instant, ils font juste que de se déplacer et nous infliger des dégâts directs. Il n'y a pas les animations, il y a plein de trucs qui manquent, qui bug, surtout ce soir. Mais voilà, on peut déplacer notre joueur, on peut aller attaquer les zombies, et on peut les tuer quand on a assez de points d'action. Voilà, on peut passer le tour et on peut mourir. Et ce soir, on sera beaucoup mort parce que c'est buggé et qu'on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait ce soir. Ça fait 6 mois qu'on développe ça. Merci pour vos emotes. Et du coup, on est parti sur un long développement parce qu'on débute en programmation et on part de zéro ou presque. Voilà. Et c'était la fin du stream, en fait. J'étais parti pour rendre l'antenne. Du coup, qui est-ce qu'on va raid avec tout ça? Il n'y a plus grand monde qui fait quoi que ce soit. Il y a Vartak? A priori, attends, je vérifie. Il est toujours là, Vartak? Bah, a priori, il est toujours là. Et bah, s'il est toujours là, on va raid Vartak. Impeccable. Donc, je vous envoie. Ouais, il est toujours là. Vous il est toujours là, Vartak. A priori, il est pas en train de couper, donc... C'est parfait. Let's go zou chez Vartak. J'espère que vous êtes toujours là. Merci pour les follow. Du coup, je remette... Bon, merci beaucoup, on se retrouve demain pour du Holycube, ce sera moins prise de tête. Et donc, merci encore à toutes et à tous, bonne nuit, merci encore à Pierre pour le raid, et on se retrouve demain. Ciao, ciao, ciao. Mimi, je dis même pas au revoir. Bonne nuit, pardon, excuse-moi, j'ai un petit coup de... Bon, allez, à demain. À demain.